Salut à toi, seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame. Je suis en compagnie de Nouf Nouf qui nous vient pour un rapport de bataille. Et avec quelle armée es-tu venu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je viens avec mon armée de Thousand Sun pour un duel de Psykers. Et moi, j'affronte l'œil de Tsench avec mon armée GK. C'est parti pour la game. Aujourd'hui, je vais jouer l'armée des Thousand Sun. C'est une armée qui me plaît beaucoup parce que c'est des Space Marines et qu'ils ont pas de malus au smite. Donc c'est une armée de sorciers qui est très forte au tir et qui est assez résiliente grâce à leurs règles, tout n'est que poussière. Aujourd'hui, je vais ramener deux bataillons. Le premier, c'est le bataillon culte de la duplicité. Pourquoi ce culte ? Parce qu'il permet de pallier à une des faiblesses des Thousand Sun, c'est-à-dire la mobilité, via un sortilège qui permet de redéployer une unité à 9 pas de l'adversaire en phase psychique. Dans ce bataillon, je vais jouer un sorcier exalté sur disque de Tsench, qui permet d'avoir une grosse mobilité, de buffer les troupes, de relancer les 1 à la touche et de faire quelques petites blessures mortelles et tricks. Je vais jouer aussi un petit sorcier de base, qui va peut-être être plus là pour prendre des points, faire des petites blagues si jamais il fait des faibles pour balancer des mortels, et 3 unités de rubrique marine de base, avec le sort châtiment, du coup, qui permet de faire une mortelle ou des 3 en cas de méga smite, manipulation temporelle pour soigner un personnage en cas de besoin et façade spécieuse, donc le sort pour se téléporter. Ensuite, je vais jouer un autre bataillon, culte du temps, avec Ahriman sur disque de Tsench. Donc Ahriman, c'est un must-have pour moi parce qu'il a nativement plus 1 au cast et au dispel. Il est très mobile, son rôle ça va être essentiellement du buff, Donc il aura le châtiment, le prestige de Tsench, qui fait moins 1 à la touche, tisseur de destin plus 1 à l'invulnérable, et distorsion wrap qui permet de refaire une phase de mouvement en phase psychique. Avec lui, je vais jouer un sorcier en armure Terminator, qui aura le familier, donc lui aussi il aura plus 1 pour caster. Son rôle, ce sera de buffer les unités qui vont suivre, c'est-à-dire 10 unités, une escouade de 10 Terminator, armée de bolter inferno, et de 2 canons sur le Reaper et de 2 lance-missiles, Donc cette unité a comme avantage de pouvoir être en faible sans dépenser de CP. Elle est très forte en tir, elle peut tirer à 24 pas et bénéficier de la règle salve malveillante. Donc je compte vraiment sur cette unité pour faire beaucoup de dégâts. Avec ça, je vais jouer 3 unités de rubrique marine de base, eux aussi, qui vont être équipées en sort exactement comme ceux du culte de la duplicité, avec comme différence le sort qui est natif au culte du temps, c'est-à-dire fluctuation temporelle qui permet, s'il est réussi, de faire revenir une unité avec tous ses PV. Voilà. Et quand le sort est à 9+, ça permet de faire venir des 3 unités à la place. Donc ce sort a pour objectif concrètement de rendre mon unité de Terminator le plus viable possible dans le temps. J'ai aussi 26 Sangor, qui est une unité qui est excellente pour le corps à corps. L'idée, c'est de les mettre en FEP et de les faire arriver un peu partout où je veux, en fait, sur la table. Ils sont équipés d'un Brycorn qui permet d'avoir plus 1 à la charge avec la relance et les différentes relances que je peux avoir. Ça peut vraiment fiabiliser les charges et c'est vraiment une menace à prendre en compte. Et si jamais je ne peux pas avoir ces unités parce qu'il s'est bien placé, il a fait de l'anti-FEP, je pourrais toujours aller prendre des objectifs un peu partout sur la map. Et enfin, dernier détachement, un détachement super lourd, où je joue Magnus le Rouge, parce que cette figurine est magnifique et qui mérite d'être jouée, tout simplement. Donc lui, je vais le jouer de manière un peu spéciale, où son rôle, ça va être de balancer de la mortelle. Donc il va avoir que des sorts pour balancer des mortelles, châtiment, éclair de mort, éclair du changement, portail infernal, et au cas où, je lui mets Regard du Destin. Je dépense un CP pour lui mettre son trait de seigneur de guerre, seigneur du savoir défendu, c'est pour ça qu'il a 4 sorts en plus de châtiment. Alors comment le jouer ? Lui, c'est vraiment en fonction des placements, soit dès le premier tour je l'envoie dans l'adversaire pour qu'il fasse le plus de morts, soit je le protège un peu pour qu'il survive le plus longtemps possible et qu'il détruise toutes les menaces qui arrivent. Il va aussi me donner un bonus au cast en relançant les 1 à 9 pas autour de lui au sort, et il a un bonus de plus 2 pour lancer ses sorts et un bonus de plus 2 pour dispel quand il a pas régressé au niveau du palier. Donc voilà. Mon seigneur de guerre, c'est le premier exalté de sorcier sur
disque de Tsench, qui est du culte de la duplicité. Et en trait de seigneur de guerre, je vais lui mettre au magister. Comme ça, il aura lui aussi plus 1 au cast. Gros avantage du dernier Psychic Awakening, enfin, du Psychic Awakening pour les Thousand Sun, c'est différents stratagèmes. Alors, moi, celui qui me plaît beaucoup, c'est le stratagème Fusillade Infernale, qui permet pour 1 CP de tirer 2 fois avec une unité de rubrique marine ou de Scarab Occult Terminator. S'ils n'ont pas bougé. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut rendre une unité de 5 rubriques marines assez létale si on ne fait pas attention. Il y a aussi le stratagème Safe Sorcière qui permet, si on fait un sort d'au moins 9 en valeur, de regagner des PV sur une unité. Donc ça peut être très utile, surtout à Magnus, pour se soigner en cas de, enfin, au cours de la partie. Dire que Magnus n'a rien fait, c'est un fait en fait, il n'y a pas de débat. C'est juste l'empereur qui l'a trahi, tout simplement. Donc ça, tous les joueurs de Tsench le savent, du Chaos le savent. Donc moi j'ai qu'une chose à dire, mort aux faux empereurs. Pour l'armée de GK que je vais jouer aujourd'hui, j'ai sorti le format réglementaire sur cette armée-là, c'est-à-dire 2 bataillons, de façon à avoir mes 13 points de commandement. Dans un premier bataillon, vous allez retrouver 3 QG avec le Brother Captain qui va permettre de pousser la distance de mes smites. Librarian qui lui a la chance d'avoir 2 sorts et que j'ai équipé avec l'éclat séraphique, donc la relique qui va lui permettre de caster à plus 1. Comme c'est un GK, en fait, au final, il va caster à plus 2, et ça, c'est très bien. Et mon troisième QG va être la Dreadnought Nemesis, donc c'est la première fois que je la sors et que je la joue. Pourquoi j'ai choisi cette unité-là? Parce que c'est une jolie plateforme de tir, concrètement. Donc, je l'ai joué avec Psy-Lancer lourd et Heavy Psy-Cannon. Donc, voilà, deux grosses armes de tir. C'est aussi une belle Borutas au close, mine de rien, puisqu'il a gagné aussi la règle des Space Marines, qui est de gagner une attaque quand il est chargé, ou quand il charge, il est chargé et fait une intervention héroïque. Donc ce qui fait qu'il a 6 attaques, il a 5 attaques sur son profil, il en gagne une parce qu'il est en double dread patate, et en plus, s'il charge, il en gagne une de plus. Donc ça fait quand même 7 attaques pour le gazier, donc il tape quand même correctement. Et puis j'avais envie de profiter aussi des nouveaux sorts et des nouveaux stratagèmes qu'il y a sur le Psychic Awakening. Donc voilà pour les 3 QG, ensuite les 3 taxes de troupes obligatoires, 3 strikes, il y en a 5 dans la totalité de l'armée, je les joue toujours dans la même configuration, c'est-à-dire Stormbolter et double lame. Donc voilà pour ça c'est mon premier bataillon. Le deuxième, j'y incorpore Tonton Voldus, c'est un sérieux client en termes de psy, puisque il a la capacité de jeter 3 sorts et de dispel 3 sorts sur les phases de psy, donc ça c'est très très bien. Je l'accompagne en deuxième QG de ce bataillon là d'un chaplain, le chaplain qui va permettre de bénéficier des litanies. Je reviendrai sur les litanies pendant la partie. Alors là, c'est la première fois que je vais jouer celle-ci, à savoir celle qui va me permettre de dispel à plus 3. Donc potentiellement avec Voldus qui peut dispel 3 sorts, l'intérêt est de passer la litanie sur Voldus pour avoir 3 dispel à plus 3. Ça, c'est cool. Ensuite, 2 strike squad qui sont les mêmes que dans le bataillon précédent. Et enfin, un pack de 10 Terminator. J'adore cette unité-là. Pour le coup, elle est équipée full Stormbolter, et il y a 5 gars qui sont en sceptre de force, donc pour avoir le plus 1 en invulnérable au corps à corps. Il y a 4 gars qui sont équipés en halbarde pour avoir le bonus de force quand ils tapent au corps à corps, et il y a le sergent qui est équipé de son énorme marteau parce que je compte en faire bon usage. Ensuite, vous retrouverez sur la fin de ce bataillon un pack de 10 Interceptor Squad, donc c'est les petits gars qui ont des cotons-tiges sur les réacteurs, sur les packs dorsaux, et qui ont la capacité déjà de bouger à 12 pouces et de FEP une fois dans la partie. Faut savoir que pour un point de com, potentiellement, ils pourront le faire une deuxième fois. Voilà, il y a aussi un stratagème intéressant qui peut être joué avec eux, qui est sur le Psychic Awakening, à savoir le fait de désengager et de pouvoir tirer et charger, donc entre guillemets gagner le Keyword Fly le temps d'un tour. Ça, c'est très très bien. Et je rajoute à ce bataillon 2 unités de Purgation Squad. J'adore cette unité-là, avec à chaque fois 4 Psy-Lancers. L'intérêt ici, en fait, ça va être de bénéficier à la fois
des bonus Psychic Awakening à travers les marées, bien évidemment la marée de tir qui va permettre de buffer ces armes là et de le synergiser avec les stratagèmes du codex, donc de se retrouver avec des armes qui commencent à causer sérieusement. En termes de sorts, l'intérêt c'est d'avoir tous les personnages, un maximum de personnages qui bénéficient de la nouvelle discipline du supplément, avec Edith Imperator qui va permettre de bouger et tirer, enfin de tirer de tirer et de bouger. Ensuite on va avoir les sorts qui vont vous permettre de regagner des points de commandement, les sorts qui permettent de changer les marées, et la cuirasse de résilience qui va me permettre de buffer un petit peu, bah, notamment mes Terminators, pour leur passer le moins 1 pour être blessé. Et après pour le reste des unités, et bien à savoir bah, les Strikes, les Terminators, les Interceptor Squad, j'ai fait en sorte de jongler avec les sorts de façon à avoir au moins deux fois les bons sorts, c'est-à-dire le Sanctuaire, le plus invulnérable, la Gate d'Infinité, donc bah, le portail hein, qui va me permettre de TP des unités, le Astral Aim qui va permettre de tirer sans ligne de vue et en ignorant les couverts, et je me suis fait le petit kiff de mettre, sait-on jamais, un petit Vortex sur une escouade de Strike Squad pour si sur une erreur de mon adversaire j'ai la place pour faire de la grosse bulasse de mortal, et ben j'hésiterai pas une seule seconde. Voilà pour mon armée, et on passe immédiatement à la présentation du scénario. Présentation du scénario joué aujourd'hui, c'est le scénario numéro 5 des conventions ITC. Donc, comme d'habitude, il y a les objectifs primaires qui consistent à tuer une unité ennemie, à tenir un objectif, à tuer plus d'unités que l'adversaire et à tenir plus d'objectifs que l'adversaire. Il va y avoir les objectifs secondaires qu'on va vous présenter une fois qu'on aura déterminé l'attaquant et le défenseur. Et il y aura les objectifs bonus de scénario. Les objectifs sont fixes et ont été posés, sont déterminés par le scénario himself. Donc il y a un objectif qui est central que vous ne voyez pas trop, qui est en plein milieu de cette ruine. Et ensuite vous avez un objectif dans chaque quart de table. Il faut savoir qu'une fois qu'on aura déterminé l'attaquant et le défenseur, chacun d'entre nous, à commencer par le défenseur, va déterminer un objectif prioritaire qu'il pourra déplacer de 6 pouces. Sauf l'objectif central, interdit pour celui-ci, et donc cet objectif devient l'objectif prioritaire de chacun des joueurs. Il faut savoir que à la fin de chaque tour de joueur, l'objectif bonus se gagne comme suit. Si vous tenez l'objectif prioritaire de votre adversaire, vous marquez un point, ou alors si vous tenez trois objectifs, vous marquez un point. Les deux ne se stackent pas, puisque c'est systématiquement un seul point bonus. Et voilà, on a fait le tour, on va immédiatement passer au G2D pour déterminer l'attaquant, le défenseur. Avant ça, on prend le temps d'expliquer le fonctionnement des décors comme d'habitude. Donc la particularité, c'est qu'on joue un gros décor qui a pour principal objectif de rendre cette partie plus immersive, c'est-à-dire cette énorme cathédrale. On la considérera bloquante au rez-de-chaussée, sauf sur les zones qui n'ont pas de toit, d'accord. Donc toute la zone, toute cette partie-là qui est détruite, elle ne sera pas considérée comme bloquante, et on ne considérera pas non plus comme bloquant l'arche que vous avez centrale, parce que ça aurait un impact trop fort sur le jeu. Ensuite, le reste des décors est joué comme on le fait d'habitude, à savoir rez-de-chaussée bloquant, le reste en ligne de vue réelle. Ce sont des ruines, donc à partir du moment où vous avez un petit bout de pâte dans le décor, vous êtes considéré comme étant à couvert. Point particulier qu'on rappelle aussi, c'est les box, les magic box qui ne sont pas jouables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer d'unité dans les rez-de-chaussée de ces box puisque c'est complètement bloquant, donc on peut pas cacher d'unité à l'intérieur. On peut soit monter à l'étage ou soit être en bas, mais on peut pas se cacher à l'intérieur parce que ça bloquerait complètement le jeu aussi. C'est l'histoire des fameuses magic box. Voilà, les deux réacteurs que vous avez ici octroieront potentiellement des lignes de vue un peu brisées, et puis pour le reste vous avez les barricades qui n'auront comme seule utilité l'immersion et la beauté pure et dure de la table de jeu. Je vous rappelle que le tapis nous vient de la gamme Crank Wargame et que les décors nous viennent de la gamme My Scenery. Vous avez tous les liens dans la description, ça fait plaisir. On passe au premier G2D de la partie. C'est l'heure du premier jet de dés qui aura l'honneur de choisir l'attaquant, le défenseur. J'ai ce magnifique dé sauvageon, tandis que mon adversaire, Nouf Nouf, a ce dé Baleine Susurrent. C'est pour les sorciers de manière très générale. On notera que ceci est une phase 1 et ceci est une phase 6 afin de faire le point sur tout ce qui pourrait être un peu... Voilà. Allez, on jette le dé, c'est parti. On notera qu'il a quand même poussé mon dé avec le sien. Néanmoins, c'est moi qui fais un 4, c'est lui qui fait un 2. C'est donc moi qui vais choisir qui est attaquant, qui est défenseur. J'ai donc gagné ce jet. Je vais choisir d'être défenseur.
je vais te laisser l'honneur d'être attaquant, ce qui veut dire que tu vas te déployer en premier, tu joueras forcément en premier. Et en revanche, je vais choisir la zone de déploiement, je vais donc jeter un dé sur ce magnifique tableau que je vous jette ici. C'est un 5, et donc le déploiement 5, c'est attaque frontale. Je ne veux pas ce déploiement, je préfère plutôt rejeter ce dé, je peux le faire puisque je suis défenseur. Et c'est un 4, et c'est parfait, c'est un marteau et enclume des familles, c'était ce que je voulais, ça fait plaisir. Et je vais donc laisser la main à Nouf Nouf pour se déployer. Et surtout, avant ça, on va déterminer les objectifs secondaires de chacun des deux joueurs. J'ai donc choisi le côté qui est ici, cette zone-là. Pourquoi ? Parce que celle-ci a l'avantage d'avoir potentiellement trois bloquants. Là où de l'autre côté, il y a une zone qui est un petit peu plus visible via ce magnifique pont de la gamme Mycenary. Et donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, en termes d'objectifs secondaires, on les a dévoilés simultanément. Moi, de mon côté, premier objectif dans la destruction, j'ai pris The Reaper. Et toi, tu as pris ? The Reaper. Oh, yeah ! Comme on a beaucoup d'infanterie des deux côtés de l'armée, c'est pertinent. Le deuxième qu'on doit prendre dans les objectifs de contrôle de map, j'ai choisi le postier que je mettrai sur mon ami Voldus, grand mage et sage de la maison Gryffondor. Et moi, j'ai pris Engineer, que j'ai mis sur mes deux unités de culte du temps. Et le dernier, j'ai choisi de mettre... j'ai choisi Headhunter, qui consistera à buter tes personnages. Et moi, j'ai pris Born for Greatness, parce que Magnus did nothing. Wrong. Donc, je vais vous présenter mon déploiement pour ce tour 1. L'enjeu sur ce déploiement, c'est de bloquer les FEP. Bloquer les FEP, comme le précise le scénario, on a pu choisir un objectif et le déplacer. Donc moi, c'est celui-ci qui tombe très bien parce que du coup, je peux le contrôler avec une unité de Engineer et ils sont bien cachés. Donc vraiment, bloquer les FEP. Donc là, à 9 pas du bord, pareil pour l'angle, 18 pas. Et de mettre Magnus vraiment en menace, sachant qu'il vole, qu'il peut avoir le wrap time, donc il peut vraiment faire ce qu'il veut. Donc ça l'oblige à se déployer en prenant ça en compte. Soit je l'envoie comme un missile et voilà, soit je le jouerai défensif. Donc là, je verrai. Et là, j'ai mis mon seigneur de guerre pour qu'il fasse un petit trick que j'aime bien, qu'on verra prochainement dans le tour. Ahriman est ici. Il permettra de buffer Magnus. Il va le suivre sur son déplacement, il va le buffer. Et j'ai dépensé du coup un CP pour mettre cette unité de rubrique marine sur cet objectif, donc à plus de 9 pas de la zone de déploiement de l'adversaire. Et j'ai dépensé un autre CP pour mettre mes 26 de Sangor en FEP. Donc je suis maintenant à 10 points de commandement. Voici pour ma phase de déploiement. Les Terminators sont en FEP. Oui. Ainsi que le patron Terminator aussi. Oui. On est d'accord. C'est la base. C'est la base. Et donc, on a fait le tour pour ton déploiement. Je vous présente immédiatement le mien. De mon côté, j'ai décidé de mettre beaucoup de choses sur table. Donc, j'ai conservé uniquement en FEP les deux escouades de strike qui sont là. Il y en a une qui a le vortex et l'autre qui a le portail. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris en considération qu'il avait potentiellement un Magnus Bomb qui pouvait me lancer dans le groin. Donc, j'ai fait une espèce d'îlot défensif autour de mon bloc de Terminator et de quelques persos, notamment Voldust, cher à mon cœur, qui est aussi mon postier. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, par le positionnement de trois strikes autour de cet îlot, bah, il ne puisse pas venir au corps à corps avec Magnus sur des unités qui sont chères à mon cœur. J'ai positionné une escouade de Purgation Squad ici au niveau de ce décor là et j'en ai positionné une autre. Le but, c'est qu'ils sont à 24 pas du centre de la table et donc le principe sera d'avoiner tout ce qui essaye de contrôler cet objectif. Ensuite, j'ai positionné mon escouade d'Interceptor en fond de map parce qu'ils ont la capacité de TP, donc eux en gros je les garde en second rideau. L'Adrenite Nemesis qui est prête à accueillir l'avancée subreptive de n'importe quel adversaire. Et mon Libby, lui, qui est capable de me faire regagner des points de commandement et de changer la marée warp, je l'ai positionné ici. Le Brother Captain s'est mis en arrière-cour, donc c'est pareil, hein, j'ai fait comme Nouf Nouf. J'ai fait en sorte de bloquer, de quadriller un peu ma zone, sachant qu'il pourra quand même pas arriver à la fin de son tour 1, mais l'idée, c'est d'anticiper son tour 2. Je m'explique, si j'avais mis peu d'unités sur moi, ma phase de déploiement, ça fait que à la fin de mon tour 1, je laissais forcément des trous et la possibilité à lui d'arriver au tour 2 avec les Tsangor, etc.
Je vais donc utiliser la litanie de mon chaplain pour passer plus 6 de portée sur les bolters des Terminator. Ça passe sur du 3+, c'est une réussite. Et ce que je vais faire, c'est que pour ma première tide, je vais activer la tide de tir. Je passe en tide de tir, donc je serai au plus violent que possible sur mes armes psy. Et il y en a un bon nombre. On laisse maintenant la main à Nouf Nouf pour sa première phase de mouvement. Début du premier tour de jeu, première phase de mouvement du côté des Thousand Sons. Vous voyez son déploiement, on se retrouve une fois qu'il aura fini ses moves. Donc pour cette phase de mouvement, sachant qu'il a tout mis sur table, mais qu'il peut quand même se TP, j'ai voulu vraiment garder le plus de quadrillage de FEP possible. Je sais qu'il peut FEP à 3 pas, mais il va falloir qu'il dépense beaucoup de CP pour ça. Donc j'ai couru avec mes rubriques marines qui étaient là pour les cacher. C'était clairement un appât quand je les ai mis là, parce que marquer le point de scénario contre un point de Kilowan, c'est, je préfère attendre, donc je préfère les mettre là, les cacher. Je pourrais toujours les retéléporter où je veux. La phase de mouvement ensuite, j'ai bougé Magnus ici. J'ai pas voulu faire un Magnus bombe, mais je suis à 24 pas de cette petite unité là qu'on voit et de cette petite unité là. Donc l'enjeu, ça va être d'essayer de sortir cette unité et de faire quelques BM là-bas. J'ai mis Harriman à 9 pas de lui pour qu'il puisse faire tous ses buffs et le refaire bouger après. Et voilà. Et je l'ai mis à 6 pas de cette unité et de celle-là. Comme ça, si je veux sortir le stratagème qui permet d'avoir plus 2 au cast, c'est bingo. Donc, on va commencer à ouvrir les hostilités avec Magnus. Focalisation cabalistique. Donc, c'est un CP. Et comme je suis à 6 pas de 2 unités, oui. Psyker, j'ai plus 2 au cast. Et je vais faire un smite sur l'unité visible la plus proche. Phi et E. Donc ça veut dire qu'en fait il va caster son sort à plus 4. Donc son idée, c'est d'aller chercher le DC damage, je suppose. Non, de base c'est D6. Le 2D6. Eh tu ouais. veux le 2D6. Eh ouais. Il veut le 2D6. Bah oui. Eh bien écoute, ouais, c'est parti. On y va. Hop. Je pense que t'as le 2D6 large. J'ai le 2D6 damage. 2D6 damage. Ils ont combien de PV chacun? C'est 1 PV par mec. Ah. Ils vont prendre forfait, je pense. Ils vont prendre. Donc là, concrètement, je peux même pas dispel parce qu'en vérité, il a un trop haut niveau de sort. J'ai 11 plus 4, ça fait 15. Ça fait 15. Tu veux dispel? Non, je veux pas dispel. Donc du coup, on est sur 2D6 damage. Bon, ça fait 8 mortels déjà d'entrée. Ce qui veut dire qu'il me snipe direct ma petite escouade d'interceptor. À Harriman, mon ami le bienheureux. Prestige de Tsench qui passe à 7. Hop, ça passe. Tu peux pas le dispel. Je peux pas le dispel. Donc du coup, il aura moins 1 pour être touché. Ça, c'est sur Magnus. Papa Magnus, oui. Yes. Et Tisseur de Destin qui passe sur 6. Relance des 1 grâce à Magnus. Oui. Qui passe. Il a pas fait le fameux 1 reroll 1. Non, moi, c'est 1 reroll 6. 1 reroll 6. Eh ouais. Donc ça passe et du coup... Donc il a plus 1 à l'invue. Qui passe une invue à 4. À 3. À 3. Oui, oui, à 3. Il est torse nu, ça ricoche sur ses abdos. Temps altéré. Oui. Donc, on y va. Ça passe sur du 6. Ça passe. Donc, Magnus peut refaire un mouvement. Ah bon. J'ai déplacé Magnus ici pour qu'il soit bien hors portée de toutes ses armes de tir, même s'il FEP. Phase de tir. Avec mon seigneur de guerre qui est ici, je vais faire le stratagème rayon scintillant. Mais je tire une ligne de 9 pas, visible à partir de mon bonhomme. Toutes les figurines, enfin, toutes les unités qui sont traversées par ce trait, sur un 4+, ou sur un 5+, si c'est un perso, ouais. Ils prennent des 3 blessures mortelles. De là, l'arrière de son socle, en traversant les thermies, le petit bonhomme avec le marteau, et le samouraï. Donc du coup, on y va, 3 CP, donc sur E, sur 4+, ça marche pas. Sur les thermies, sur 4+, ça marche pas. Sur Voldus, sur 5+, 5+, ça marche. Une blessure mortelle. Ok. Et sur les derniers là-bas, la dernière strike, sur 4+. Hop. 4+, 2 blessures mortelles. Ok. Donc, à la fin de mon tour, j'ai du coup 2 objectifs. J'ai tué une unité. Donc, ça me fait kill one, hold one. Et 1 point de Born for Greatness. Parce que j'ai one shot une unité avec Magnus. Et fin de ton tour, on passe donc à mon tour à moi.
Début de mon tour 1. Alors, globalement, vous voyez mon dispositif tel qu'il est. J'ai perdu ma petite escouade. Oh, ça fait pas plaisir, mais voici la vie. Il y a Magnus en face. C'est pas non plus Jojo le Clodo. Donc, ce que je vais faire, surtout, c'est que je vais avancer avec mes Terminators. Je vais avancer aussi avec ma phalange ici. Je vais passer l'Astral Aim sur les thermis. C'est pour ça que j'avais passé le plus 6 en portée pour que mes bolters aient 30 pouces de portée. J'utiliserai sans doute le stratagème pour passer la PA et la force, pour buffer la PA et la force de mes bolters. Je vais essayer de saigner en fait ces deux unités là grâce à l'Astral Aim et du coup marquer potentiellement un kill one et un kill more. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser ma gate avec Voldust sur ma phase de psy pour envoyer les trois survivants là de son faisceau merdique sur l'objectif là, de façon à avoir au moins le hold more et le point bonus. Et ensuite, je vais avancer un petit peu le dispositif. Vous voyez comme je suis, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc là, j'ai fini ma phase de mouvement. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait avancer les thermis de façon à grâce aux 30 pouces de portée, je vais pouvoir target les deux squads de rubrique que vous avez de l'autre côté de la ruine. J'ai avancé eux ici pour avoir une solution de secours si jamais je rate ma gate, c'est-à-dire faire un edit imperator et réactiver une phase de mouvement. Ensuite, je me suis occupé de contrôler les trois objectifs. J'ai gardé ma zone de répulsion à l'arrière pour éviter de me prendre une frappe de Tsangor dans le fion. J'ai avancé aussi nos amis les Purgation Squad ici et qui sont à portée de cette escouade de rubrique. Mon objectif va potentiellement être d'aller gratter le kill mort, mais c'est pas fait, va falloir que je cadence ça correctement. Je vais commencer ma phase de psy. Le premier sort que je veux lancer, c'est l'Astral Aim. C'est Voldus qui le passe, ça passe sur du 6. J'ai plus un pour 4, ça passe sur du 5. J'ai vu le 1, t'as vu le 6, on a vu le 7, ça passe. Donc eux pourront tirer sans ligne de vue et ignoreront les couverts. Donc ça, c'est très très bien. C'est pété. Le premier sort est là. Deuxième sort que je vais lancer, et ça sera aussi avec Voldus, je vais passer la gate sur les trois gars qui sont ici. Donc ça passe toujours sur du 5, ça passe aussi. Je vais immédiatement prendre ces trois asticots là et les mettre sur l'objectif central. Voldus, j'ai le sanctuaire, je vais passer plus un à l'invulnérable sur mes Terminators. Mon ami, le Dread Knight Nemesis, va passer la cuirasse de résilience sur les Terminators themselves. Voilà pour ça. Ils sont buffés, ils sont contents d'être heureux. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais m'atteler à passer les sorts qui sont le regain du point de commandement. Ça passe sur du 7, sauf que c'est avec mon Libre Ariane qui caste à plus 2, donc ça passe sur du 5, ça passe tout juste. Je vais immédiatement passer à ma phase de tir, et à savoir tambouriner les Marines. Là, la question est comment je cadence mes tirs pour faire un max de morts. Début de ma phase de tir, je vais utiliser 3 points de commandement. Un point de commandement de Psychic Awakening pour passer plus 1 pour hit sur toute la phase avec mes Terminators. Donc du coup, mes Terminators passent à 2 plus pour toucher. Ils auront la reroll des As grâce à Voldus qui est à côté. Et ensuite, je vais utiliser 2 points de commandement pour passer en Psy Bolt Munition. Ce qui fait que du coup, je suis tout à fait content d'être heureux. Je vais te toucher à 2 plus, reroll. Là ici, donc là il y a 4 gars qui vont tirer sur 4 gars qui tirent sur l'escouade qui est là-bas, qui est l'escouade qui est juste ici là, ici. Donc je touche à 2 et j'ai la reroll des As. Easy peasy. Ce qui nous fait 14. J'ai bien dit 14. Et ensuite on blesse à 3 plus. 3 plus messieurs dames. Donc du coup c'est sur du 4 plus. Oui monsieur. Allez, on y va. Un mort, deux morts. Mort, l'escouade est morte. C'était juste, hein? Ouais, c'était juste. C'était juste. Et l'autre escouade va prendre les 6 autres Terminators, toujours sur du 2+, reroll des As, et blesse à 3+. Nous espérons les voir mourir. Il y a de fortes chances, hein. Oh, oh là là, les dés sont tellement... T'as vu, c'était 1 et 2, j'étais genre... 1, 2, 3, 4... 5, 6, ils sont tous morts. Ok. Mais c'était prévu par Tsench. Tout est prévu par Tsench. Oui. Fin de mon tour 1, je mets donc un point d'objectif primaire pour Kill One, un point pour Hold One. J'ai réussi à tuer 2 unités, donc je vais kill mort. Et surtout, je tiens 3 objectifs, donc j'en tiens plus. Donc je mets 4 points d'objectif primaire. Je vais réussir à mettre le point bonus sur ce tour parce que je tiens 3 objectifs. Ce qui me fait 5 points sur les objectifs primaires. Là, pour le coup, la case est remplie. Et j'ai mis un point grâce à Tonton Voldus, mon postier. Ce qui fait que je mets 6 points sur la totalité de ce tour. Je lui ai mis 10 points d'infanterie pour le Reaper. Et j'ai pas tué de personnage. Donc voilà, on a fait le tour. Je vais finir donc ce tour avec 6 points de mon côté.
et 3 points du côté de Nouf Nouf, immédiatement autour d'eux de Nouf Nouf. Donc pour ce deuxième tour, il m'a tué deux petites unités qui étaient là pour ça. Donc l'enjeu est de voir s'il a fait un trou dans son dispositif. Si tel est le cas, je vais faire soit les Terminators, soit les Tsangors. Son unité de Terminator est assez problématique, mais au niveau de la portée, elle est. Je ne sais pas si je vais pouvoir la gérer ce tour-ci. Toujours est-il, cette unité, je vais pouvoir la tuer. Je pense pouvoir tuer cette unité s'il a fait une erreur. En fait, faut vraiment que je vois s'il a fait des trous dans son dispositif. L'enjeu, c'est vraiment faire arriver une des faibles, peut-être pas les deux, pour en garder une au cas où, et faire le plus de dégâts possible. Ok, donc configuration de Nouf Nouf au début de sa phase de mouvement du tour 2. Il est dans cette configuration-là, on se retrouve à la fin de sa phase de move. Fin de la phase de mouvement du tour 2 de Nouf Nouf, et on lui laisse la parole pour qu'il nous commente tout ça. Donc, j'ai fait avancer Magnus ici pour qu'il puisse balancer des BM sur cette unité et à minima sur l'unité à l'intérieur. J'ai fait avancer cette unité qui prend l'objectif, cette unité d'ingénieur, parce que il peut faire des FEP à 3 pas. Donc comme c'est mon objectif, on va dire principal, j'ai pas envie qu'il me le vole. Ouais. J'ai mis Ahriman à 9 pas de Magnus pour pouvoir le buffer. Tu l'as déjà dit? Non, c'était avant que tu cut. Ouais, je regardais pas la caméra. Voici les dessous. Faut que les gens sachent. J'ai mis ce petit sorcier aussi à 24 pas de l'unité là-bas, à un peu moins de 24 pas pour qu'il puisse, pour être sûr de la sortir. Ok. On sait jamais. J'ai ensuite, j'ai pas bougé cette unité de rubrique. Je compte la bouger avec un sort. Lui, je l'ai mis à portée de smite de cette unité. Et j'ai fait apparaître Metsangor ici. L'enjeu principal, ce serait de pouvoir charger cette unité. Charger le petit personnage qui est ici. Brother Captain, s'il vous plaît. Brother Captain. Qui est mon seigneur de guerre. Exactement, voilà. Et avec tout ce qui est mouvement de piline et engagement, et sachant qu'ils peuvent retaper deux fois, pouvoir prendre son petit objectif principal. Donc voilà. C'est beau, c'est un joli plan. Il va pas falloir rater cette charge non, de base. Et puis maintenant, on va passer à ta phase de psy pour distribuer ce que tu sais distribuer, c'est-à-dire de la Mortal Wound et tout ce qui s'ensuit. On attaque la phase psy de Nouf Nouf. Alors, ça va balancer de la mortale, ça va balancer du spell, du bonus, plein de choses. On fait tout ça hors champ et on se retrouve une fois que tout est passé pour faire le point sur cette phase psy. À de suite. Alors, pour ma phase de magie qui fut fort intéressante, Magnus a tué cette unité qui n'est plus là, qui n'existe c'est plus. C'est quoi le nom déjà? C'est une Purgation Squad. C'était. Donc, il a aussi tué l'unité à l'intérieur. Là, c'était les Strike Squad. C'était, ouais. Exactement. Ahriman a placé tous ses petits buffs à Magnus, donc il a moins 1 pour être touché, plus 1 à la vue, et il a pu se redéplacer grâce au Wrap Time. Le Seigneur de Guerre a fait un smite, un méga smite, mais a un dégât sur cette squad. Deuxième sort, je l'ai TP ici, avec façade spécieuse, le sort du culte de la duplicité. Avec cette unité de rubrique marine, j'ai fait une autre BM sur cette unité-là. En plus de tout cela, avec Magnus, j'ai fait le sort qui me permet d'avoir une reroll. L'enjeu pour moi est d'assurer la charge d'être sans gros pour qu'il puisse l'embêter le plus possible. Alors, petite phase de tir. Avec cette escouade de rubrique marine, je vais tirer ici sur cette escouade. Je n'ai pas bougé, donc j'ai le double tir à pleine distance. Je suis à moins de 6 pas de Magnus, donc ce sera sur du 3+, relance D1. Ça fait 2-2, donc ça ne touche pas. Phase de tir terminée. Ok, c'est le moment que vous attendez tous, la charge d'Edsangor. Alors il faut savoir que Nouf Nouf a déclaré en charge cette escouade-là, ces deux gars-là, et le Brother Captain qui est juste ici un peu caché, donc lui n'a pas tiré puisqu'il n'a pas de ligne de vue pour l'Overwatch. Néanmoins, les autres ont tiré. J'ai réussi à tuer 3 Tsangor sur l'Overwatch et maintenant on est sur une charge à 8 grâce au Raycorn. Il faut savoir que tu as le stratagème potentiellement pour faire une relance et tu as gardé la petite relance de Tsench. C'est ça. Donc ça te laisse un peu de marge de manœuvre. On y va, la game elle se joue là-dessus. Il s'envole les gars. Il s'envole, c'est une charge à 11.
Et c'est parti, on va le laisser faire sa charge et on se retrouve pour la grosse bagarre. Ok, on est sûr, l'heure de la grosse bagarre. Alors on vous montre, il a donc activé ses Tsangor. Il est venu se mettre en contact avec les unités qu'il a chargées, donc l'escouade de 5 strikes qui est là, l'escouade de 2 strikes survivants qui est juste ici, et mon boss qui est juste ici, qui est mon seigneur de guerre. Alors il faut savoir que sur sa phase de close, il va activer pour un PC, le vétéran de la longue guerre, ce qui fait qu'il va blesser sur 3+. Il va blesser sur plus 1 pour blesser, donc là du coup sur devant du 4, il va blesser sur 3+. Moi, en réponse à ça, je vais utiliser 2 points de com pour passer la physiologie transhumaine sur mon Brother Captain, qui est mon seigneur de guerre. Et ce qui fait qu'il va pouvoir le blesser que sur du 4, mon seigneur de guerre. On a dit 11 attaques. 11 attaques sur le Lord. Ici, il y a 12 attaques, puisqu'ils étaient 6. Donc 5. Ça fait 10 attaques 10 ici attaques. Et 18 attaques ici. Donc, sachant que tu as utilisé un stratagème, est-ce que je le récupère sur 5+ ? Attention, mesdames et messieurs. Oui, un 5+. Bravo, ça fait plaisir. C'est gratuit, ton petit vétéran de longueur. C'était prévu par Tench. Parce que je t'ai fait faire, tu vois, je t'ai fait faire ton stratagème pour 2 CP. Ok. Et voilà. Allez, merci. Allez, c'est parti. On commence par le Lord. Ouais. Alors, il faut savoir que tu as la particularité de reroll les touches. C'est ça ? Full reroll. Parce que c'est un personnage. Fallait pas que ça soit un personnage. Donc, 10 attaques à 3+, reroll. 11. On s'attaque pas. Puisqu'elle le serge. Allez, vas-y. On y va. Je ne fais fi de CG. 3+, full reroll. 3+, full reroll. Hop là, voilà. Hop. Hop. Oh, il me fait un full touche. Max de 3, histoire que je troll et que je sente l'utilité de mon stratagème. Hop, regarde, tiens, tu vois. Oh là là. Bim, bim, bim. J'ai une sauvegarde à 2+, parce que je suis comme une armure Terminator. Et donc, j'aurai une sauvegarde à 3+. Mmh. C'est parti. Va-t-il vivre, va-t-il mourir ? Tout. Il perd 4 PV, il en a 5. Est-ce que j'utiliserai pas un petit point de com? Est-ce que j'utiliserai pas un petit point de com pour avoir une petite relance des familles? Non, je vais rester. Donc, il survit à 1 PV. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'évidemment, il a, pour 2 points de com, il va pouvoir retaper potentiellement. Oui, bah après, on verra si je le fais, si c'est nécessaire. Alors, du coup, là, ça fait 10 attaques. 10 attaques, mesdames et messieurs. 5 fois 2. 10. Hop. Donc là, c'est sur du 3+, sans reroll. Sans reroll, on y va. Donc, là, il y a un 6, donc c'est une touche en plus. Oui. Hop là. Je te blesse sur 3+. Oui, puisque tu as le vétéran de la longue qu'elle est guerre. Ouh, peu cher. PA-1, j'ai une save à 3 qui passe à 4. Donc on est sur les 2 survivors. Bah non. Et bah non. Du coup, non. Du coup, il meurt. Ok, on y va. 3+, 3+. 3+, 3+. Et donc on est sur du 3+. Exactement. Et j'aurai une 4+ de sauvegarde. Ah, mais j'en fais fi, t'as 4+. Oh là là, tu me blesses pas. Oh. C'est 3+. C'est 3+. Ouais, ok, PA-1, ça y va 4. Ils sont morts. 1, 2, 3, 4 et 5 tourons. Ils sont 5 de mémoire. Parce que c'est une strike de 5, donc tu les tues. Je vais pouvoir quand même taper avec mon Brother Captain. Allez-y, très cher. Cet homme-là, il a. Ton seigneur de guerre, tu veux dire. Puis mon seigneur de guerre. Il a 5 attaques plus 1, 6, puisque tu l'as chargé. Il te touche sur du 2+, parce que c'est un mec sérieux. Petit doublas des familles et notre ami qui est ici, il est équipé d'une de la halbarde, donc il te blesse sur du 3 et voilà, c'est de la PA, t'as de la vue, c'est de la vue à 4 que tu as ? À 5. À vue à 5, t'entends la vue à 5. De mort. Je prends. Donc je vais enlever cela, bim et bim. Il faut savoir que tu m'as grabé ici de façon à ce que mon boss ne puisse pas sortir de ce corps à corps, ce qui va lui permettre de se prémunir de ma phase de tir avec cette Tsangor. Je vole du coup ton objectif principal. Je prends aussi cet objectif ça, ici. Ça, c'était pour le petit plus. Et là, j'ai mes objectifs tranquillou. Au calme. Et j'ai Magnus qui regarde ça en rigolant avec son seul œil. Because he did nothing wrong. Là, il a fait quelque chose un peu wrong. un petit peu. Je te propose qu'on passe sur le débrief de ton tour. Oui. Alors, c'est un tour 2 qui est assez satisfaisant pour ma part. J'ai du coup le Kill One, j'ai le Hold One, j'ai l'objectif principal parce que j'ai 3 objectifs en plus et en plus j'ai son objectif personnel. Du coup, ça me fait un tour assez conséquent. Ça fait plaisir. Alors, tu as fait donc ton Kill One, ton Load, comme tu l'as dit, tu as tué 4 unités sur ce tour, puisque tu tues 2 unités avec tes Tsangor et tu en as tué 2 autres avec le Psy. Ce qui fait qu'en plus, tu passes 1 point sur le Reaper et tu mets 1 point sur le Engine Zero, puisque tu tiens cet objectif-là avec une unité Engine Zero. Ce qui fait que tu mets 5 points sur ce tour-là et après, potentiellement, prendre le Kill More et le Hold More. Je récupère la main. Parti.
Ok, donc voilà ma configuration au début de ma phase de mouvement. Globalement, ce que je vais faire sur ce tour. Alors, l'objectif, c'est de sortir Voldus de la zone de dispel de son Psyker. Je vais faire une gate sur mon Brother Captain et je vais dégager de là. L'idée, c'est de sortir des engagements et pouvoir le saigner sur une phase de tir. L'autre idée, c'est que il y a un moment où je me suis senti dans le truc, tu vois, de me dire que ça y est, je rentre dedans. Faux, erreur. On se remet en question, soupe sur les jambes arrière et on attend. En même temps, on est les GK. On n'est pas non plus, on n'est pas des berserks de cornes. Donc, je vais m'occuper sur ce tour-là essentiellement de tomber les Tsangu et de tomber au moins un perso de façon à mettre un point sur mon Headhunter et de buffer le reste de mes Terminators, replacer grâce à mes deux unités qui sont encore en FEP un petit peu mes cordons pour accueillir l'arrivée des violents Terminators. Donc vous voyez ma configuration au début de ma phase de mouvement. On se retrouve une fois que tout a bouger. Ok, donc fin de ma phase de mouvement. Globalement, ce que j'ai fait, comme vous avez dit, je voulais reculer Voldus en dehors de sa zone de dispel. Malheureusement, j'ai fait qu'un 2 sur l'advance. Du coup, je me suis barré par là et j'ai fait venir ma strike qui a la gate ici, qui est venue pour jeter le sort là-dessus et qui est pour le coup vraiment en dehors de la zone de dispel. Voilà. Il y a des plans A et il y a aussi des plans B. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a un petit truc. Ensuite, j'ai fait venir une autre strike ici pour bloquer le flanc, pour éviter de me prendre les Terminators là-bas. Ce que je vais faire, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait basculer l'Interceptor Squad ici, qui bloque toujours l'arrière et le flanc de façon à repousser. Mon but, c'est vraiment que ces Terminators, quand ils arrivent, ils soient obligés de faire face. Pour le conflit, voilà, j'ai pris quand même des précautions d'avancer un peu de monde au cas où je rate ma gate, de façon à pouvoir le charger si jamais je ratais la gate. Donc ça, voilà, c'était important. Et ce que je vous propose, c'est qu'immédiatement je vais jeter ma gate. C'est donc avec la strike, ça caste A+1, c'est un sort qui normalement passe à 6. Du coup, c'est un sort qui passe à 5. C'est un sort qui se rate. Je vais utiliser un point de commandement et je vais relancer ce sort. Et pour le coup, il passe, donc ça me coûte un PC et je vais pouvoir gate mon seigneur de guerre qui s'est chié dans le froc puisqu'il lui reste un PV. Je vais donc le faire gate et je vais faire l'ensemble de ma phase de psy dans la foulée. Je vais buffer un maximum mes paladins. Mes Terminators, j'envisage même peut-être d'utiliser l'Edit Imperator pour tirer sur ma phase de psy et pouvoir rebouger derrière pour reculer encore un petit peu ma ligne thermie pour ne pas me faire charger potentiellement par ses thermies à lui. On se retrouve à la fin de ma phase de psy. Donc fin de ma phase de psy, j'ai utilisé mon Edit Imperator sur les Terminators pour les faire tirer et rebouger. J'ai lavé beaucoup de Tsangor. Pas assez parce qu'il en reste encore deux. Néanmoins, non, j'en ai tué un sur le smite. Ah oui, il en reste encore trois. Il s'est assuré d'en mettre un par là. Donc, il reste encore trois de Tsangor, mais le pack d'intercepteurs va envoyer la douche de tir, donc ça devrait pas être problématique. En termes de sorts, j'ai passé des buffs sur les thermies. Je leur ai passé le +1 à l'invulnérable, ainsi que le +1 pour blesser au corps à corps. Il a réussi à me dispel la cuirasse de résilience, donc ils auront pas le -1 pour être blessés. Pour le reste, j'ai pas fait beaucoup plus. J'ai passé mon Edit Imperator, j'ai passé quelques sorts, et j'ai récupéré un PC grâce à mon Librarian, et j'ai fini par modifier ma taille à la fin de ma phase et je suis passé en taille de protection là cette fois-ci, donc de façon à me prémunir des tirs de ces saltimbanques de Terminator. On va passer immédiatement sur ma phase de tir. Je vais vous expliquer les intentions sur cette phase-là. Je vais d'abord utiliser mon pack de Strike Squad qui est ici et je vais tout mettre dans leur mouille à ces trois là. L'idée, c'est de les wiper avec une grosse unité, pas de me retrouver à faire deux morts et avec finalement un Tsangor inciblable qui va lui permettre en plus d'avoir le hold mort. Donc il faut que je mette toute cette unité là dedans. Je vais ensuite utiliser ma Dreadnought Nemesis full patate pour sécher cette baltringue. Lui, il va pas apprécier la sentence parce que le Dreadnought Nemesis, il a quand même une puissance de feu plutôt conséquente. Et ensuite, et pour finir, globalement, je ferai pas grand chose de plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir.
Donc fin de ma phase de tir qui se termine par un énorme échec car comme vous le voyez, son sorcier exalté est toujours sur table. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement j'ai déclaré, et pourtant j'ai utilisé un point de com pour pas avoir de malus avec le mouvement, donc je touche à 2 plus reroll. J'ai utilisé mon psy canon lourd et mes 12 tirs de Gatling et il a tout simplement réussi la totalité de ses sauvegardes, la totalité. Donc il a pas perdu un PV sur le gars, ce qui fait que mes tirs s'achèvent ici. Et on arrive globalement à la fin de mon tour et je vous débrief la fin. Et on fait le point du scoring. Donc fin de mon tour 2, je me suis fait troller par l'exalté, mais bon ça arrive, ça me retarde un peu sur mes points de Headhunter, c'est pas grave. Ce qui se passe c'est que je mets kill one et je mets hold one, donc je mets 2 points. Il aura le kill mort lui à la fin de son tour. On tient tous les deux objectifs, donc personne n'a le hold mort. Lui, il a eu l'objectif bonus. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais passer un palier sur les Reapers, puisque jusqu'à présent, j'ai tué 2 escouades de rubrique. Et je viens de tuer 26 Tsangor. Donc en gros, j'ai dépassé le premier palier et je suis pas loin du deuxième palier de Reapers. Et puis, on est pas mal pour ça. Et on passe immédiatement au tour 3 de Nouf Nouf. Début du tour 3 pour Nouf Nouf, vous voyez sa configuration, Magnus est en fond de map, il y a Harry qui est pas loin, encore quelques psykers, il a un pack de rubriques qui est ici, il a un pack de rubriques Engenzir qui est ici, il a un pack de rubriques qui est caché derrière cette ruine, et il a The Warrior of the Night, c'est notre ami le sorcier exalté, et surtout, il a son Terminator sorcier ainsi que 10 gros, du gros sorcier, du gros Thermi. Qui s'apprête à arriver en FEP. Vous voyez sa configuration, début de sa phase, on se retrouve après. Pour ma phase de mouvement, l'enjeu est de faire venir toutes mes forces au même endroit pour faire le plus de dégâts à ces Terminators. Donc, j'ai bien fait attention à mettre tous mes 3 sorciers à plus de 24 pas de cette petite armure, parce qu'il a plus 4, je crois, pour dispel. Oui, parce qu'on l'a fait, hey, salut, c'est Torop. Et on l'a fait au début de son tour hors champ, mais j'ai passé la litanie pour avoir le plus 3 pour dispel sur l'exo-armure, ce qui fait qu'il s'est mis, il l'a mis dans le vent, bien évidemment. Donc, je suis à portée de BM de lui, de E, de cette unité. Et l'enjeu pour moi, c'est de mettre les thermis ici, en fonction de ce qu'il laisse en vie, soit je mets toute ma sauce là-dessus, soit j'essaie de tomber la grosse armure. Donc là, concrètement, on fait plus dans la dentelle. Là, j'espère. Mais là, de toute façon, on voit niveau dispositif de la taf, c'est là, ça se rencontre. Là, j'espère. Il y a Magnus, il y a le Red Knight, il y a Termi, il y a les miens. J'espère que ça va faire plaisir. Ouais, j'espère voir des morts. Ok, bah, moi, je l'espère pas. Voilà. Hein? Allez, on y va. On y va, phase de psy. On attaque dans le dur. On attaque dans le dur. C'est parti. Alors, je vais utiliser un CP avec Magnus pour faire du coup plus 2 pour cast. Plus 2 pour cast. Du coup, il va caster à plus 4. Oui, monsieur. Et on va balancer un smite sur eux. Ok. Relance D1 parce que c'est Magnus. Donc 6. 4, 10, tu fais pas un gros smite. Non. Et t'as déjà relancé. Si, attends, j'ai 7, ça fait 11. C'est plus de 11 pour un méga smite. Donc c'est un petit smite. Oh, c'est un smite à D6 quand même. Un petit smite. Allez. Ouais, d'accord. Hey. Petit as. Un 3. 3 mortels. Bon, 3 mortels, on y va. Okay. Et ben 3 mortels, ça me tue un gars et un PV sur un autre. Ce petit Terminator, oui, va lui aussi faire un smite. Là-dessus, on y va. Ça passe. Ça passe et ça passe à D3 du coup. Je vais potentiellement. Donc là, j'aurai que. J'ai qui pour dispel? T'as les thermis, je crois. Les thermis et le chaplain? Ouais. Ok, bah, je vais dispel avec les thermis. Je vais tenter de dispel ça avec les thermis. C'est pas dispel. Donc du D3 coup, BM. D3 BM. Donc ça BM. Me tue lui. Et je vais mettre un PV sur notre ami qui est ici. Alors maintenant que Magnus a fait connaître un peu sa colère, c'est Harryman qui va le buffer. Ah. Donc on va faire un tisseur de destin. Il va lui susurrer à l'oreille qu'est-ce qui va se passer. Troisième œil, ça BM, passe. Ça passe. Donc il aura du coup tisseur de destin, c'est plus 1 à l'invue. Et il va faire un... Moins un pour hit. Moins un pour hit, c'est prestige de Tsench. Relance D1 grâce à Magnus. Heureusement, ça passe. Donc, le moins 1 pour toucher sur Magnus. Le petit sorcier ici, qu'on avait oublié, va faire le sort façade spécieuse, qui passe sur 7. Pour rappel, il a plus 1 grâce... Grâce à lui-même. Alors, est-ce que c'est cassé ou pas? Non, le compte, vas-y. Allez, bim. Je vais le téléporter. Parti. Alors avec le petit sorcier que j'ai téléporté ici, je vais faire un smite sur l'unité visible la plus proche qui est encore les Terminators.
on y va. Ça passe à 10. Ça passe à 10. Mmh. Bah, je vais tenter de te dispel ça avec notre ami la Dread Knight Nemesis, ouais, qui est juste ici et ouais, qui dispel à plus 4, bah, monsieur. Ouais. Bah, 8 et 4, 12. Bah, ouais. Ok, ça dispel. Super. Je vais utiliser un CP pour relancer un sort. Ah, je suis comme ça, moi. Il est comme ça, le gars. Pour est... lui, jeter regard infernal. On y va, c'est sur du 5+. Cool. Et je vais tenter de dispel avec mon escouade d'Interceptor, avec ce gars-là qui est à portée de dispel. Il a fait un 7, donc il me faut aussi un 7 pour le dispel. Oh là là. Oh, le double 6 au dispel, oh là là, on est refait. Oh là là. Donc, contre-parade. Ok, contre-parade. Parade, contre-parade. Ils ont un peu fatigué quand même, tes termis. Ils ont pris cher. T'as enlevé quand même 7 termis au 14, t'as balancé 14 BM dans les termis. Donc, après cette phase de psy... Plutôt propre. Oui. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Moi, je pense que c'est... Ils ont la migraine. Ils ont la migraine. Ça picote un peu la tête. Donc, du coup, malgré que tu sois dans la taille de défensive, ce qui m'arrange pas du tout, je vais mettre tous mes tirs sur ce petit... Dread Knight Nemesis. Dread Knight Nemesis. Ok. Donc, j'ai 8 Bolter Storm. Ok. J'ai 2 canons Soul Reaper. Yes. Et j'ai 2 lance-missiles Hellfire. Tout voilà, là-dessus. Et puis, un petit tir de Bolt, on avait dit aussi, qui mange pas de pain. Ouais, un Bolter Storm sur le monsieur-là. Ok. Je vais claquer Vétéran de la Longue Guerre. Pour blesser à plus 1. Voilà, blessé à 4+. Donc, je vous propose qu'on se retrouve une fois la poussière retombée. Alors, à la fin de cette phase de tir, j'ai enlevé que 5 PV sur ce Dread Knight Nemesis. Donc, j'ai pas fait de kill. Il a utilisé 2 CP pour les faire survivre au moral. J'ai perdu quand même 7 gars, j'ai un moral à 9. Donc, sur un 3+, sur un 3+, et sur un 6, je perdais la squad, quoi. Je pouvais pas me le permettre. Donc, voilà. Donc, je marque pas le kill one. Je marque le Old One, je marque un Engineer et je marque le second palier de Reaper. Du Reaper. Puisque là, t'as enlevé 40 PV d'infanterie tout rond, tout pile, tout beau, net. C'est propre. Donc, fin de mon tour 3. Fin de ton tour 3, tu remets 3 points sur ce tour et on passe à mon tour 3. Donc là, on va attaquer mon tour 3. On fait juste un petit point sur l'environnement de cette table. Globalement, j'ai quand même mes Terminators ont vraiment bien subi. Lui, il a survécu. Il est pas passé loin, mais bon, j'ai été sauvé par la marée qui m'a permis de réduire un peu sa PA-2 de Bolter. Pour le reste, ce qui se passe, c'est que là, on a vraiment la grosse phalange Thousand Sons qui s'est avancée avec son gros bloc de thermis. Magnus. Clairement, pour l'instant, c'est pas une cible prioritaire parce que il a son invu à 3 et il est à moins 1 pour hits. Et surtout, Nouf est relativement à l'aise sur son fond de map parce que il tient ses objectifs sereinement. Il se sent pas trop en danger vu la menace qu'il vient de poser au centre de la table. Je vais essayer de gratter potentiellement un point bonus sur ce tour et on va voir. On va voir comment ça se passe. Vous voyez ma configuration au début de ma phase de mouvement. On se retrouve une fois les déplacements terminés. J'ai fini ma phase de mouvement du tour 3. Globalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné avec mes interceptors qui sont juste ici. L'objectif, ça va être de faire un Edit Imperator, d'envoyer full sauce, d'utiliser 2 PC et puis de repasser en taille de tir avant de faire ça pour mettre la maximum de sauce sur les Terminators et après avoiner avec le reste de mes tirs que j'ai à droite à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter mes dés sur la phase psy et on se retrouve à la fin de celle-ci. Donc pas ouf, clairement pas ouf. J'ai fait mon Edit Imperator et je suis revenu après avec cette escouade là. Malheureusement, j'ai enlevé que 3 Terminators. Je pensais vraiment en enlever plus. Bon, bah c'est comme ça. Maintenant, j'ai reculé pour faire ma bulle de protection contre le corps à corps sur les personnages clés et surtout ça va être le tampon smite. Hein, c'est eux qui vont prendre la mortale. Ensuite, j'ai fait Gate, nos amis qui sont ici et eux vont me permettre de gagner 2 points, le Hold More et le point bonus. Ça, c'est hyper important sur ce tour là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais balancer mes quelques tirs qui me restent, à savoir quand même les tirs de la Dread Knight Nemesis, les tirs d'Ethermie de mes personnages. Je vais tout mettre sur ces vilains Terminators pour essayer d'en sabrer le plus possible. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Bon, ma Dread Knight Nemesis a vraiment sauvé le coup grâce à son petit canon. Elle a réussi à en enlever 4 supplémentaires. Ça rattrape le coup du foirage des Interceptors. Néanmoins, le reste de mes tirs de Bolt n'ont pas réussi à enlever le petit PV parce qu'il y a quand même un Terminator à un PV. Et globalement, je vais finir mon tour là-dessus. Je vous fais immédiatement le débrief de celui-ci. L'un comme l'autre, on a tué Podzob sur ce tour. Alors c'est le tour où ça ressemble à quelque chose d'un peu agressif. Et ben, on s'est regardé dans le blanc des yeux.
Et on a chacun dépensé 2 PC pour pas fuir. Ouais, donc il nous reste chacun un PC. Toi, t'as utilisé 2 ouais, voilà, pour pas fuir, c'est ce que tu viens de dire. Donc il nous reste chacun un PC. C'est ça. C'est propre. Et puis surtout, bah, moi, je vais mettre Old One, Old More, le point bonus, et je passe un palier de Reaper, je mets 4 points. Toi, t'en avais mis 3 à ce tour. Ça fait qu'à la fin du tour 3, donc vraiment au milieu de la partie, on se tient coude à coude parce qu'à un point, j'ai 13, tu as 12. Je vais donc te laisser la main pour le tour 4. Zblaah! Alors, pour mon tour 4, maintenant, il va falloir que les sorciers aillent un peu plus à la guerre. L'enjeu, c'est d'être encore plus agressif. Je vais essayer de sortir cette escouade-là, qui peut faire mal, et sortir ça, en essayant de contrôler son point. Je vais aussi essayer d'entamer cette petite escouade qui rapporte des points. Si tout se passe comme prévu, je pense que la victoire m'appartiendra. C'est beau ce que tu dis. J'ai pas fait, je vais le faire de suite. Je vais utiliser mon chapelain pour jeter la litanie du dispel à plus 3 sur Voldus. Ça passe sur 3+, ça passe, ça fait plaisir. Ce qui fait que Voldus aura une belle aura de dispel à 24 pouces et surtout il a 3 dispels. Donc ça c'est super intéressant. Vous voyez la configuration de Nouf-Nouf au début de sa phase de mouvement du tour 4. Il est installé avec ses engines here en fond de map. Ça c'est propre, hein, ça te fait vraiment bien scorer je trouve. Et on se retrouve une fois que t'as bougé. Et Magnus se caresse les tétons, on arrive à la fin de la phase de move de Nouf-Nouf, vas-y, dis-nous tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti un peu les rubriques ici pour qu'ils servent un peu à quelque chose, pour commencer à tirer là-dessus. J'ai ramené mon sorcier en armure Terminator ici pour essayer de laver ça et prendre ce point. J'ai avancé mes sorciers pour balancer de la BM, j'ai avancé Magnus parce qu'il veut faire de la BM et il veut rentrer au corps à corps, ça lui manque. Donc on est tour 4, je pense que maintenant il peut faire le taf. Ok, donc on va commencer avec le sort psychique du culte du temps, la fluctuation temporelle. Ouf, ça fluctue. Ça fluctue. Ça fluctue dans mon slip. Donc, permettez ma taille. Tous ces PV. Donc ça c'est très très bien. On va le lancer avec les thermiques eux-mêmes. C'est sur du 5. On relance des 1. Grâce à Magnus. Rappelle-nous ce que ça fait la fluctuation du slip. Fluctuation du slip, ça ramène un Terminator. Ok, donc je vais prendre mon apothicaire qui a pas servi à grand. Si, il a donné 3 PV à Monseigneur. Je vais prendre mon apothicaire et je vais tenter de te dispel. Donc t'es à 8. Du coup, bah, sur un 8, ça dispel puisque j'ai le plus 1. Et ça dispel pas. Ça continue. Ça continue. Donc avec l'Exalted Sorcerer sur son disque, je vais balancer. Qui est ici. Un smite. Oui, monsieur. Du coup, sur l'ennemi visible plus proche, c'est eux. Ouh là là là. Oh là là. Oui, oh là là. On y va. Bim. Il passe à 10. Ça fait pas un gros smite. Bim. 3 mortels. 3 mortels. Ok, le gars, il est comme ça. C'est stats. Il a aucune pitié avec moi. Je vais pas enlever mon marteau, je vais pas enlever mon sceptre, je vais enlever ma hallebarde. Et je vais enlever un PV sur le sceptre restant. Très bien. On va faire un tempête de feu de Tsench. Ouh, ça fait des tempêtes, ça fait Allez, des tempêtes. Sur relancer un grâce à Papa Magnus. Ah, il a fait une tour up, un relance 1, ça fait plaisir. Et ça ne fait rien du tout. Donc avec lui, on va faire des smites. Ouh, ça va, ça fait du smite. Bon, méga smite des familles. Méga smite dans les thermiques, dans mon slip. Est-ce que tu veux... Je vais tenter de le dispel, de toute façon. Il a plus 1, t'as 12 du coup. T'as un smite, ça fait du 12. Je vais tenter mon double 6 avec mon Libby là-bas. Ouais. Il est à portée. Eh ben non. Donc, méga smite, des 6 mortels. 4, il restait 3 PV dans les squads. Il me wipe mes Terminators. Ah, j'ai le seum. Franchement, je suis triste. Triste pour les Terminators, vraiment. Moi, je suis content. Ils étaient beaux, ils étaient bien peints, ils étaient prêts à en découdre. Et ils se sont fait déboîter le groin. On va passer maintenant au sorcier en armure Terminator. Oh non, pas lui. Il va faire un préscience sur les thermis. Oh. Qui passe à 7. Donc il a plus 1 avec son familier, donc ça passe à 10. Est-ce que tu veux me le dispel, si t'en es capable? J'en suis toujours capable, du coup il me faut un 10 avec, bah, je vais dispel avec les mecs qui sont face à lui. Allez, allez, oh, pff, on s'emballe. Ils ont plus 1 pour toucher, ils sont maintenant contents. Il va smiter parce que c'est cool, ça passe à 5. Bah celui-là je vais le dispel avec l'autre escouade de strike qui est sur l'objectif 3. Ah, celui-là il dispel. Ok. Ensuite, mesdames et messieurs, avec lui, on va faire, enfin, avec Papa Magnus, ah, on va claquer notre dernier CP. Oui. Pour mettre un vortex. Un vortex dans la moule. Donc, sur l'unité, la figurine la plus proche, c'est elle, il y a 3 pas. Normalement, ça touche ça et ça. Ok. On y va.
Donc le Vortex passe sur l'Interceptor Squad, Chapi Chapeau et ma Red Knight Nemesis. Donc il a plus 4 à faire son sort. Parce que tu dis ton dernier CP, c'est ça? Ouais. Donc je suis à tatata à 11 plus, à 11, donc ça marche pas. Ça marche, 6, mais à D6 quoi. Ouais, à D3. À D3, pardon. D3. Ok. Bah écoute, donc en gros, tu vas faire D3 sur eux, D3 sur lui, D3 sur lui. C'est ça. C'est ça. Bah écoute, Voldus va s'activer et va tenter de faire un petit dispel à plus 4. Grâce à la litanie du chaplain, oui, ça fait 7 et 4. 7 et 4, 11. Et toi, t'es à 7, je suis à 11, donc ça passe. Donc ça passe, ok. J'ai cramé un petit dispel pour rien. Donc, triste. Des 3 BM. 2 BM là-dessus. 2 BM. Des choco BM même. Sur le chaplain. D'ailleurs, j'ai pas le droit. 3 BM. Ok. 3 PV sur le chaplain. Sur le robot. 3 BM. 3 BM. Ok. Du coup, je vais pas t'enlever eux. Je vais t'enlever. Je vais garder mes sceptres. Je vais t'enlever lui. Et je vais t'enlever lui. On va faire un smite avec Magnus. Qui passe à 8. Est-ce que tu veux le dispel? Je vais le dispel, mais je vais pas le dispel avec Voldus. Je vais garder pour te bloquer tes buffs avec Iron Man. Donc je vais le dispel avec les Interceptors eux-mêmes, himself. Bah si, c'est dispel. Bah non. Ah non, t'as plus 2, c'est vrai. Ah, oui. Non, mais non. Pardon. J'ai plus 1, il a plus 2. Des 6 BM. C'est un petit 2. 2 BM. Et maintenant, je vais faire un éclair du changement qui passe à 8. L'éclair du changement qui fait, rappelle-nous, des 3 BM. Oui. De la BM, toujours Choco BM. Ça passe. Il a combien de PV lui? Lui, il en reste un. Eh ben, je vise lui. Tu vises lui? Ouais. Eh ben, écoute, il va tenter de dispel lui-même. Il va tenter de se sauver les miches tout seul. Oui, il sait sauver les miches, il le gars. Il a plus ça. Et il a plus ça, ouais, ouais, ouais. Ok. Il sait sauver les miches. Arryman. C'est là qu'on active Voldus pour le dispel. On y va. Allez, c'est parti. On va faire un prestige. De donc il va faire son moins 1 pour être touché et son plus 1 à l'invulnérable. Prestige de Tsench qui passe sur du 7. Et c'est les deux que je vais bloquer. Relance des 1. Mmh. Premier dispel avec Voldus, enfin deuxième dispel de Voldus à plus 4. Allez, ça passe marche pas. Alors ça c'est Tisseur du Destin qui n'est pas passé, donc prestige de... Non c'est... Ok, maintenant je fais Tisseur de Destin. Allez, c'est parti mesdames et messieurs. Relance des 1. Hop, 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 ça passe de justesse. Et puis, eh ben ça passe pas. Et on va faire le dernier sort qui s'appelle du coup Wrap Time. Ah, le fameux Wrap Time. Le fameux Wrap Time. Allez, on y va. Ça passe sur du 7. Eh bien, je vais essayer. J'ai plus de dispel avec Voldus. Je vais tenter avec la Dread Knight Nemesis. On va essayer de te bloquer là-dessus. Ça eh bloque ben, c'est bloqué. Tout, ça bloque ouais, tout. Je te le rends bien parce que tu m'as bien bloqué. Exactement. À donc, mon Magnus n'est pas buffé. Mais. Mais il est quand même costaud, le gars. Il est quand même un peu chafouin. Il est un peu chafouin. Alors, phase psychique, j'ai fait quelques BM, beaucoup moins que je voulais. Il a bien abjuré. Ouais. Donc, du coup, on va passer à la phase de tir. Et moi, vraiment, le but de... J'ai vraiment gardé mes dispels avec Voldus parce que je savais qu'il allait me balancer. S'il me balance Magnus, il va le balancer buffé. Donc, l'idée, c'était vraiment de garder Voldus pour contrer les buffs de Arryman. Et tant pis, quitte à bouffer des mortels sur les Interceptors, ils étaient là pour ça. Donc je suis plutôt content parce que pour le coup, le plan a marché. Voilà. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Là, ça a plutôt pas trop mal marché. Maintenant, on va passer à la phase de tir. Alors, phase de tir, Thousand Sun. J'ai pas beaucoup de tirs. Je vais commencer par les rubriques marines ici qui vont un peu tirer sur cette squad. Je vais utiliser mon Terminator pour tirer sur cette escouade-là. Et avec mes Terminators, je vais tout tirer là-dessus. Fin de la phase de tir. Les rubriques marines, ils n'ont rien fait sur cette unité. Le Terminator, sorcier Terminator, il a fait un mort ici. Par contre, les Terminators, ils ont lavé. Totalement lavé. Lavage, rinçage, essorage. Comment elle s'appelle cette... C'est les Interceptor Squad. Eh ben, ils ont été interceptés. Ils se sont fait intercepter voilà. Les fesses. Ça pique. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Ils étaient, ils ne sont plus. Je pense que là, on va passer sur ce que tout le monde veut savoir. La phase de charge. Phase de charge. Donc, sans surprise, Magnus va charger ces deux unités. Pas Voldus? Non. D'accord. Et le Terminator va charger cette unité. On commence par la charge de Magnus. On est sur une charge à, on va la mesurer en direct. On est sur une charge à 7. Et lui, il te faudra... On est sur une charge à 7. On y va. Ah, il me fait 10. Bim. Damn. Il s'envole. Il s'envole. Tel un petit oiseau. De fortune. Tranquillement, à base de tranquillade. Petite charge, on y va. 5, je pense que j'y passe, j'y arrive. Oui, sachant que t'es sur l'objectif, il fait 6 pouces de diamètre, donc logiquement. Hop, bim.
Ok, je vais faire mes tirs d'Overwatch, on voit ce que ça fait et après on passe au corps à corps. C'est la phase de corps à corps que tout le monde veut voir, Magnus contre la Dread Knight. Bon, le Magnus a perdu 2 PV à l'Overwatch, la Dread Knight il lui en reste plus que 4. Donc bon, d'accord. On est sur un duel de pas très équilibré. Si, ça va, c'est stats. Par contre, important de dire que j'ai fait une intervention héroïque avec Voldus et comme il me l'a pas déclaré en charge, il pourra pas le taper. Donc ça c'est cool, ça fait que Voldus va pouvoir te mettre des gros coups de marteau dans ton groin et tu pourras rien y faire. Non, mais je vais contracter les abdos. Eh ben oui. Et puis, en plus, tu vas sortir tes petits tétons, là, ça va faire plaisir. Donc, tu as dit que tu mettais 4 attaques, 6 attaques là-dedans et 2 dans le chaplain. C'est ça, parce qu'il a 7 attaques plus 1 parce qu'il a la charge vénère. Il est vénère, regarde. Donc, on y va. Sur 6. Les 2 plus, relance des 1. 1, 6. Donc, ça fait une touche en plus. C'est force 16 sur les 2 plus. Il y a tout qui passe. PA, moins 4. Moins 4. Donc, j'ai mon avis à 4. Ça fait combien de damage? 3. Ouf. Donc là, un vu à 4. Oh, je sais que je peux le faire. Je l'ai déjà fait, je peux le faire. Ah, je l'ai déjà fait, mais je le ferai pas. Il prend 12 PV, il est net mort. Est-ce qu'il explose? Ça explose, c'est un véhicule. Eh ben, ça ne explose pas. Tu peux mettre 2 attaques dans le chaplain. On y va. Relance des 1. Asri relance. Oh, ah, il a fait une tour up. 2 plus. Bim. Bim. Un vu à 5. Oh, je rigole s'il y tient. Tiens. Ah, bim! Putain, il tient pas, le gars, il tient pas du tout. Donc, tu m'as buté le chaplain et la Dread Knight. Et là, tu vas pouvoir taper avec ton thermis sur ma strike. C'est ça. Alors, donc, le sorcier en armure Terminator a 4 attaques parce qu'il a chargé sur du 3+. Force 6 parce que c'est un bâton. Donc, c'est sur du 3+. PA-1, je pense, c'est le bâton. PA-1. Ok, et ben, j'ai la save à 4. Il y a une qui passe. Et l'autre qui passe pas. Ok, donc, ça fait un mort. Un mort. Un mort, bim, on est refait. Du coup, je vais pouvoir m'activer. C'est ça. Je vais activer, alors ça, vous voulez le voir, parce que ça va piquer les yeux. Voldus avec son... Alors, sachant que tu as le keyword démon. Ouais, bah oui. Donc, ça veut dire que je reroll les blesses au corps à corps. Donc, ça, c'est pas mal. Sachant que son marteau, il fait PA-3. Bon, tu t'en fous parce que tu en as vu à 4+. Par contre, il fait 3 damage flat. Je tape, je touche à 2+, reroll des as. Et je blesse donc à 3+, puisque j'ai force 8. D'accord. Je rerollerai les blesses. Et t'as combien d'attaques? Et j'ai 5 attaques plus 1 vu que je fais l'intervention héroïque, ça fait 6. Ok, d'accord. Allez, c'est parti, on est sur du 2+, reroll des as. Oh là là, le Voldus, je le sens qu'il est chaud. Et après, je te blesse sur du 3+, reroll parce que t'es qu'un gros démon. Ouh, ça passe bien, sur du... Ouh, la foule, le full. Oh, il y a le full. Le full. Alors, faut savoir que ça fait 3 flats, t'as déjà perdu 2 PV, il t'en reste 14. Sur un craquage, il meurt. Il n'y a pas de craquage. Il n'y a pas de craquage chez... Un par un? Non, on fait pas du un par un. Voilà. Prends 9 PV, les gars. 9 PV. 9 PV au calme, Voldus. Et il faut savoir qu'après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mouvement de peeling et je vais venir revenir sur mon objectif pour éviter qu'il me subtilise le point bonus comme ça au nez et à la barbe. Et je vais activer les Strike Squad qui, eux, vont, ils sont déjà pas mal là où ils sont en vérité. Ils vont balancer toutes leurs attaques. Alors, ils sont en sabre. Il n'a pas le keyword démon, ton mec du chaos. Donc, en gros, ils ont 2 attaques par gars, puisqu'ils sont en double falcon. Et comme ils ont été chargés, il y a une attaque en plus par mec. Ça fait 9 attaques. Et j'ai le sergent. Et donc, du coup, j'ai une 10e attaque. Je vais toucher sur du 3+. Sur du 3+, sans relance. Tac. Et t'as de l'endu 5 ou pas avec lui? 4. Endu 4. Donc, je vais le blesser sur du 4+. Par contre, c'est PA-3 et c'est D3 flat. Je peux le sécher lui aussi. Donc là, on est sur du 4. Il faut que ça passe. Ouh. Vas-y, t'as combien de dégâts? T'as ton avis à 5 et c'est D3 damage. Waouh. Il a combien de PV, le gars? 5. Oh, je peux le faire. Allez. Je peux le faire. Non. Je peux le faire. Non. Oh, le doublas de sa grand-mère! Oh là là, les décors tombent, le bunker s'effondre sur moi-même. C'est il perd 2 PV sur son gars, et puis bon, ben voilà, je m'en contenterai. Il mourra au prochain tour sous les balles et les coups de lame. Alors, c'est pas grave. Un test de morale. Bah, j'ai perdu 2 gars, j'ai un moral de Marines, donc non, je ne fais pas de morale quand je perds 2 gars. On va arriver sur la fin du tour 4 de Nouf Nouf, on fait le point sur ce fin de tour. Pour la fin de mon tour, du coup, j'ai marqué Old One, Kill One, Born to Greatness, parce que j'ai tué un personnage. J'ai marqué Engineer. Et Engineer ici. Et un point de Reaper. Donc pour l'instant, je suis à 5 points. Ouais. À voir à la fin du tour de tour. Si je fais le kill mort. Si je fais le kill mort. Ouais. Ou le hold mort. Hold mort, ça va être compliqué quand même. Sachant que t'as pas hold mort à. Ouais, c'est chaud. Oui, c'est vrai. Mais bon, sait-on jamais.
Ok, donc là, ce que je vais faire globalement, c'est que j'attaque mon tour 4 à mon tour. Je vais laisser Voldus au corps à corps avec Tonton Magnus, de façon à... Je vais essayer de le sabrer sur les smites, puisque je vais passer en tight de smite et du coup, balancer 4 mortels par 4 mortels sur Magnus. Donc ça, logiquement, il va pas apprécier la sanction. Néanmoins, il faut que je me positionne correctement pour limiter un maximum ses capacités de dispel. Je vais faire avancer après ces gars-là pour venir rejoindre le corps à corps, s'assurer de tuer notre ami Casey et potentiellement essayer de faire une multicharge sur un petit peu de monde là. Donc vous voyez ma configuration et on se retrouve une fois que j'ai bougé. Ok, donc je vais arriver sur la fin de ma phase de mouvement. Globalement, en fait, j'ai reculé essentiellement ces deux personnages là pour qu'ils soient, en fait, il y a que Magnus qui puisse dispel sur cette unité là. J'ai avancé mon paquet de strike qui est juste ici pour venir renforcer dans la mêlée qui est juste là. Et puis voilà, je suis content d'être heureux. De manière tout à fait générale et globale, je vais essayer de buter au smite ces deux gros gaziers là, et puis après voilà, globalement je vais me contenter de ça. L'idée aussi de gagner du terrain avec mes strikes pour que ça soit derrière le décor les figurines les plus proches à cibler, de façon à sauver un peu mes miches de sa phase de tir du tour 5. Donc c'est parti pour ma phase psy. Ok, donc là je vais passer sur ma phase psy, et pour la commencer je vais utiliser mon libraria qui a l'éclat séraphique, qui va donc caster à plus 2, et il va immédiatement passer sur la Tide. Psy, j'ai gardé mon dernier point de com pour relancer s'il le fallait. Donc là, je passe à 7, je passe à plus 2, donc je le passe à 9, sachant que Magnus est un petit peu blessé, il va que dispel à plus 1, donc voilà. Je suis obligé d'essayer le dispel. Ouais. Et ben, ça passe pas. Parce que moi j'ai 7 et 2, je passe à 9, donc ça passe, la taille change. Et donc immédiatement je vais garder le même Libby pour passer premier smite sur Magnus. Donc c'est un smite qui passe du coup à 8 et 2, qui est un smite qui passe à 10. On essaye, on est fatigué, ça marche pas. Donc Magnus prend 4 PV et maintenant je vais prendre mon Brother Captain qui est mon seigneur de guerre. Innominé Patrie, Brother Captain, il va t'envoyer la sentence sur le gazier. Ça passe à 7 plus 1, 8. Dernier dispel de Magnus. Et bim. Il la dispel. Et du coup, je vais envoyer le smite avec notre ami qui est juste à côté ici. T'as plus de dispel avec Magnus. Ouais. C'est parti, smite avec notre ami qui est là. Bim. Ça passe à 9 plus 1, ça passe à 10. Par contre, je pense que t'as un dispel potentiellement ici. Et je pense même avec lui peut-être. Et ben, je dispel avec lui. Ok. On y va. Donc t'as fait combien ? J'ai fait 10 du coup. C'est bon. Il est mort. C'est ce bon vieil apothicaire qui est le héros de ce soir, puisqu'il a réussi à smiter les derniers PV sur notre ami. Donc ça fait plaisir. Je vais de suite essayer de sécher le Lord ici. Premier smite avec les 3 survivants qui sont encore à corps. Donc c'est parti. Ça passe à un smite à 9. J'essaie d'abjurer avec Harryman à plus 1. Ouais. Ça ne passe pas. Ok. Du coup, avec la strike suivante qui est ici, même chose. Ça passe à 10. Toujours, on dispelle avec Harryman. Allez. Ça passe. Yes. Il prend donc 2 PV. Il lui en reste plus qu'un. Ok. Et après, je vais buffer notre ami Voldus. Il va se passer le sanctuaire sur lui-même. Ça passe à 7 du coup. Ça fait quoi, sanctuaire ? C'est plus 1 à vue. Il passe en à vue à 3+. Harryman va essayer de deny. Yes. Ça passe. Ok, il va se passer le Hammer End sur lui-même aussi. Ça passe à 8. Il y a des smites encore qui vont... Non, il n'y a plus de smites. Okay. Donc, on va essayer de dispel avec lui. Ça passe. Et j'ai deux solutions. Soit je passe la gate et je quitte l'objectif ici. Je mets un point de postier... Je le protège potentiellement pour le prochain tour. Maintenant, je vais perdre le hold more et je vais perdre le point bonus. Donc, je perds 2 points. En fait, je marque 1 point. Enfin, je perds 1 point sur la manœuvre et je protège potentiellement Voldus sur la prochaine phase. Ou alors, je le laisse en repli ici et je le mets dans la ruine. Je l'éloigne et je t'oblige en fait à... Tu peux warp time les Terminators ? Oui. Ok. Tu peux warp time les Terminators. Je prends 2 secondes de réflexion. Donc je vais lancer la gate avec Tonton Voldudus. Ça passe à 6 et un 7. Je vais essayer de l'abjurer avec ce sorcier là. Ouais. Il
passe. Ok, donc j'ai fait le choix pour une question de résilience sur la fin de partie, parce que là on s'est quand même bien tambouriné le groin, il n'y a plus grand chose. J'ai décidé en fait de le faire quitter son objectif. Il va venir se mettre ici pour tenir à l'objectif 3, je mettrai certes un point de postier. Ça va me faire perdre le hold mort et l'objectif bonus. Donc je perds 2 points, je gagne quand même un point de postier. Mais surtout en fait je m'économise de la ressource pour le tour 5 et 6. Donc voilà, fin de ma phase de psy. Je vais passer à la phase de tir et de manière très générale il n'y a pas grand chose. Et après il y aura de la phase de corps à corps. Ok, donc ma phase de tir comme prévu, globalement j'ai rien fait puisque c'est des petits tirs de bolter sur des Terminators à 2+, donc ça fait pas grand chose. Je vais passer immédiatement à une phase de charge qui va consister à charger le prince Terminator qui est déjà engagé au corps à corps, à qui il reste un PV, donc c'est surtout pour me faire une plateforme et aller chercher potentiellement le personnage qui est ici. Donc c'est une charge que je vais faire immédiatement. Attention mesdames et messieurs, ça va commencer. C'est une charge à 9, donc c'est plutôt cool. Je fais mes mouvements de charge et on se retrouve à l'issue. Donc on attaque la phase de close avec la charge réussie, je vais faire un mouvement de piline avec mes strikes qui sont engagés avec ce sorcier là. Je me suis mis ici pour pas prendre une intervention héroïque du sorcier qui est derrière. Donc je vais avoir 3 strikes qui tapent sur lui une fois que j'ai fait ma conso et puis je serai content d'être heureux. 3 strikes dont le sergent, ça fait 10 attaques. Je vais le toucher à 3+, j'ai pas de reroll d'aucune sorte et je vais le blesser à 5 parce qu'il a une enduit de 5 le coquin. Donc ça c'est moins drôle. Donc c'est parti. Tu me blesses à 4. T'as une enduit de 4? Ouais. Ah pardon. Ouais. Et je vais le blesser à 4. Donc déjà je vais le toucher sur du 3+ sans relance. Hop, c'est pas mal, il y a 3 petits as. Et je vais le blesser après sur du 4. Là non plus, il n'y a pas de relance. Ah, on est pas mal, il y en a 4 qui passent, t'as tes invus et c'est des 3 wounds. Ok. Donc invu à 5+. Oui monsieur. Il y en a 2 qui passent. Il y en a 2 qui passent. Est-ce que je vais réussir ce coup-ci à le pourfendre? Et non, ah, toujours pas, et toujours non, pas. Ce qui fait que je lui enlève 3 PV uniquement. Et il lui en reste 2. Il lui en reste 2. Je vais positionner mes gars après. Et je vais... Donc toujours dans ma phase de corps à corps, je vais activer les 3 strikes qui étaient déjà engagés. Donc cette fois-ci, j'ai pas le plus 1 qui fait plaisir des Space Marines. Du coup, j'ai 7 attaques. Je vais toucher sur 3+. Il lui reste 1 PV au gars. Il y a 2 fails là-dessus. Je vais le blesser sur du 4. Allez, on y croit. Ouais, il y en a qu'une qui passe. Un vu à 5, c'est maintenant. Oh, je l'ai vu. Yes. Je l'ai vu. Il est mort. Ça fait plaisir. Donc je vais faire mes mouvements de piline et il va pouvoir taper avec le sorcier que j'ai engagé et après on fait le point en fin de tour. Ok, on arrive à la fin du tour 4, donc on a passé le palier de la moitié de partie, on s'est clairement bien tabassé le groin, il n'y a plus grand chose des deux côtés sur la table, nos persos sont amochés, c'est plutôt violent. Donc globalement moi à la fin de ce tour là je vais marquer 5 points parce que j'ai mis le hold one, le kill one et j'ai tué 2 personnages donc sur mon headhunter, ce qui me rajoute 2 points et je suis venu prendre le postier avec mon ami Voldus qui est juste ici, ce qui me permet de mettre 5 points sur mon tour. Je passe donc de 13 à 18. Nouf quant à lui fait un meilleur tour que moi puisqu'il va mettre 7 points au total. Il va faire le kill one, le hold one et il va faire le kill mort puisqu'il a tué 3 unités, j'en ai tué que 2. Il va prendre avec Magnus, il va tuer un personnage donc il va rajouter 1 point et il va dispel un sort donc il va rajouter un deuxième point. Donc en gros ça lui fait 2 points de Born for Greatness supplémentaires. Il met son point d'Engine Zir aussi et il passe un palier Reaper supplémentaire. Ce qui fait qu'on finit le tour 4. Il reprend l'avantage, 19 pour lui, 18 pour moi. Globalement ce qui va s'orienter pour la fin de partie, parce qu'on a plus énormément de choses sur table, c'est qu'il peut lui encore faire 2 objectifs secondaires, à savoir un palier de Reaper et un point d'Engine Zir, et il aura verrouillé quasiment tous ses secondaires, sauf un point de Barford Greatness qu'il ne peut plus faire puisque Magnus est mort. Et de mon côté, j'ai encore potentiellement 2 points de Reaper à faire, j'ai encore 2 points de postier à faire et j'ai encore 1 point de Headhunter à faire. Donc il me reste encore quelques secondaires à engranger. Donc là, ça va jouer sur la prise d'objectif, sur la fin de partie et potentiellement comment on va réussir à s'enlever des unités ou non. Je passe la main à Nouf Nouf pour son tour 5. Donc pour mon tour 5, là l'enjeu c'est vraiment de reprendre le centre de table. J'ai nettoyé un peu cette zone. Il va falloir que je déloge ces unités à l'intérieur et que je fasse beaucoup de dégâts pour avoir le dernier palier de Reaper. Il faut que j'enlève 13 PV. Peut-être que je ne vais pas le faire à ce tour-ci, mais déjà, si je prends ce point, j'aurai automatiquement le hold mort et j'enlève une grosse menace. Après, il ne restera que ces persos que je pourrai aller chercher à la fin. J'ai déplacé les Terminators ici. L'enjeu, c'est de pouvoir faire un wrap time pour les redéplacer et en mettre le plus possible à l'intérieur pour tirer sur ce qu'il y a là.
Si j'échoue le wrap time, je ferai une charge pour essayer de découper tout ça. Et j'ai ramené tous les sorciers au milieu pour balancer des BM. J'ai fait une super advance avec les rubriques marines à plus de 10, je crois. Et donc, j'ai pu me caler à l'intérieur de la ruine. Et ma grande question, c'est le wrap au poulet ou pas? Toujours au poulet. Toujours au poulet. Alors, nous allons commencer la phase psychique avec un façade spécieuse. Parce qu'ils ont du culte de la duplicité. Ça passe sur 7. Ça ne passe pas, malheureusement. Je vais faire ensuite un wrap time ici avec Harryman. C'est là-bas, les dés sont là-bas. Qui passe, du coup, mes rubriques marines vont pouvoir... Ah, attends, je vais essayer de te le dispel avec mon impôt. T'as fait 7, du coup, plus 1 ou plus 2 ? Plus 1. La peau, il peut ? Ouais, la peau était bon. Okay. Du coup, si je te fais un 7, ça passe pas. Oh, c'est bon. Oh là là là. Oh là là, pas de petit wrap, pas de poulet, cher, pas de crudité. Harryman, il est pas content. Il va faire un smite. Oh, pas de relance. Ah, il n'y a pas de relance avec Magnus. Il smite, il est fatigué. Avec les rubriques marines qui ont avancé, je vais faire un smite. Qui passe. Alors les rubriques, ils sont où les coquins? Là, j'ai pas de dispel. Ah si, j'ai dispel avec, bien sûr, avec la strike. Ça ne passe pas. Ah, ça y est, là je suis chaud. Bim! Bim! Il a bien tissé le destin. Sur lui-même. Donc je vais tenter de dispel avec l'autre strike squad, parce qu'il y en a deux. Ouais. Attention, donc t'as fait 9 plus 1, 10. Une fois un 10. Ah, tu fais tellement te le sortir, c'était sûr. 9 et 1, 10. T'es pas dispel du coup. Il me fallait dissoudre. Merci monsieur. Ensuite, le petit sorcier ici. Donc là, j'ai Voldus qui va pouvoir dispel ces petits arbas là. Donc il va faire un smite ici. Ça smite. Ça smite copieux, on y va. Avec plus 1. Plus 1, donc Voldus toujours dispel à plus 1 aussi. Et ben non. On dispel pas. Vas-y, et smite dans BM. Ma mouille. 2 BM. 2 BM, donc c'est la squad de 2, c'est ça? De 3. Ils sont 3. Ah oui, 2-3, pardon. Ouais, donc, du coup, c'est une escouade de 1. Ouais. Ok, ouais. Si je veux. Allez, tempête de feu de Tsen. Tempête de feu. Oh, mais peu cher. C'est un 9. Voldus. Plus 1, il y a 10, s'il te plaît. Ouais, mais Voldus est là aussi. Ah, tempête. Je prends une tempête dans mes fesses. C'est les miens, là, parce que. C'est des dés qui font des 6, je rappelle. C'est des putains de dés cheatés, ces trucs-là. 2-6. 2 BM. Choco BM. Donc, en gros, j'ai perdu 2 Marines. Oh, j'ai perdu 2 Marines dans l'escouade où il n'y en avait plus qu'un. Donc, je vais enlever ces deux-là. Et j'ai perdu 2 Marines dans l'escouade où ils étaient 4. Le petit sorcier là qui est sympa. Hop, on va te faire un smite. Vas-y. Tente ta chance, mon grand. Et ben ça passe de justesse. Et ben je vais te dispel ça avec Voldus. Moi j'en suis certain. Ah ouais. Et ben on va faire un regard infernal maintenant. Ah ouais, t'es comme ça. Et bim. Et ben je vais te dispel avec. Je crois qu'il n'y a plus personne. Je crois qu'il n'y a plus personne. Et ben voilà. C'est quoi que tu m'as fait là? Et ben j'ai 3D. Sur du 4+, c'est des morts. BM. 2 BM, monsieur, s'il vous plaît. 2 Choco BM. Je pense qu'il n'y a plus grand monde au milieu de la map. Hein. Ok, donc phase de tir. Bah, je pense que. Ah non, oui, j'avais oublié le ptio. Et ben, tu sais quoi, on va y aller. Je le fais jamais, mais c'est marrant, on va sortir des grenades. Le gars est en roue libre totale. Il veut que ça meure. Globalement, je pense que c'est difficile de le faire. Sur du 2 plus. Ça touche, force 6 sur du 3 plus, ça blesse. Voilà, c'est ça, comme ça que ça se passe. Fais un 6, c'est bon, c'est savé. Grenade suivante. Ok, alors c'est l'exalté de sorcier, on y va, ça touche, ça blesse. Grenade suivante. Au revoir monsieur, il a explosé en 1000 morceaux. Bon, alors la fin de mon tour 5, j'ai fait kill one, en fait j'ai tué 2 unités, j'ai fait hold one, et j'ai fait engineer, et j'ai fait le bonus. Donc ça me fait 4 points. En fonction du tour de tour up, on verra si je fais plus ou pas. Ok, donc on arrive au début de mon tour 5, Nouf Nouf a fait le sien. Globalement, ce qui se passe, c'est que là, il a mis 4 points sur son tour et il devrait pouvoir en mettre le kill mort et le hold mort, ce qui fait qu'en fait, il va mettre 6 points sur son tour. Et globalement, moi, je vais avoir du mal à remonter. Il me reste 4 unités qui sont mes 4 personnages. En gros, si je reste là, que je me contente de rester sur ma taille de smite et de tenter de tuer quelques personnages, je vais lui laisser l'avantage. En fait, il va prendre tranquillement 2 points d'avance sur le tour 5 et il reprendra encore quelques petits points d'avance sur le tour 6. Donc en gros, je n'ai pas le choix. Si je veux tenter de voler la victoire, c'est pas d'ailleurs un vol, si je veux tenter de prendre la victoire sur cette partie, je vais devoir faire gate Voldus et tenter l'arrachage en bonne et due forme au corps à corps dans tout ce petit monde-là. Donc je vais tenter de faire un truc un peu stylé avec Voldus. On va voir si ça passe. Je vais faire ma phase de mouvement et on se retrouve à l'issue. Allez, c'est parti pour la phase de premier sort que je vais jeter. En vérité, ça va être un smite avec l'apothicaire qui est ici, qui a séché Magnus.
Et lui, en fait, je l'ai mis de façon à ce qu'il ait pas de ligne de vue sur notre ami qui est là. Donc le visible le plus proche, c'est lui à qui il reste 2 PV. Donc en gros, il va prendre son Smitas dans la mouille. Hop, ça passe à 5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point de commandement, mon dernier point de commandement, et je vais relance ce jet-là. Oh putain, As Reroll As, la fameuse, la tour op, la vraie de vraie. Donc je passe à 6 et un 7. Harryman, qui va essayer de protéger son pote. Et il protège son pote. Ah là là ! Pas de magie ici, les gars. Ok, donc du coup, j'active le plan B, qui est de me dire que je ne pourrais pas laisser chez Osmite, parce qu'en gros, il a 7 PV d'infanterie ici, et moi, je pouvais faire potentiellement 8 mortales. Là, du coup, je ne peux plus, puisque j'ai raté mon premier smite, donc je fais maximum 6 mortales. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regagner un point de com avec mon ami qui est ici. Donc ça, ça passe sur du 7, je caste à plus 2, donc je suis à 8 pour caster ce sort-là. Je vais deny avec les Terminators là-bas. Donc il deny avec les Termi. Donc il te faut pas un double as. Donc je regagne mon point de com, j'ai à nouveau un point de com. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter une gate avec Voldus. C'est parti pour la gate. Ça passe à 8 et à 9. Harryman va essayer de bloquer ça. Il dispelle la gate. Il dit non, tu restes sur place, petit mortel. Ça, c'est moche. Ça, c'est très, très moche. C'était pas prévu par Tsench, ça? Ça, je pense que Tsench était dans le coup. Très sincèrement, je pense qu'il était dans le coup. Donc, du coup, Voldus, il va envoyer un smite qui devrait partir logiquement. Je pense que je suis plus ou moins... Je pense que c'est lui. Tu penses que c'est lui? Ouais. Donc, du coup, je vais jeter un smite avec le Brother Captain qui ne voit pour le coup que lui aussi. Et c'est parti. Smite. Smite dans sa mouille. Ah, ça, ça fait plaisir. Un smite à 10. Un smite à 11, lui. Ouais, sur celui-là qui reste 2 PV. Bah, il va essayer de sauver sa vie. Hein. On y va. Et bah, il meurt. Bah oui, il meurt. Il meurt. Il meurt. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été honorable. Il est mort, mais avec honneur, quand même. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, donc j'ai fait 2 smites, c'est-à-dire j'ai fait un smite avec lui et j'ai fait un smite avec le Brother Captain. J'ai raté ma gate avec Voldus. Je vais lui passer la 3 plus 1 vue. Donc ça passe à 7 et 1, 8. Harryman, il dit non. J'ai combien de dispels il a, Harry? 3. Ok, donc et là, il a dit non. Donc ça passe là. Non. Ah si, je suis à... T'as plus combien? J'ai plus 1. Bah, j'ai plus 1 aussi. Et bien, je passe à 7. Oh, j'ai cru que j'avais fait 6. Et à 8. Donc là, je passe. Donc ouais, il est sous sanctuaire. Je vais envoyer une petite Mortal Wound sur nos amis qui sont là. Ça passe tout rond à 5. Donc lui, il va deny. Ouais. Yes. Et ben ça passe. Ben, il prend 2 PV d'ailleurs cette année. Ben, il lui reste 2 PV. Et ben oui. Et il me reste donc le smite de mon ami qui est ici, c'est-à-dire ni plus ni moins que le Librarian qui caste à plus 2. Et lui, ben, il va envoyer sa mortale et pour le coup, ça ira dans Harry. C'est parti. Ça passe à 7 et 2, 9. Le petit sorcier va dispel. Toujours lui. Et ça passe pas. Ah là là, là. Donc fin du tour 5. Globalement, là, Nouf Nouf prend l'avance qui va faire que je vais pas réussir à remonter. Puisque sur ce tour, je mets 4 points. J'arrive à mettre un Kill One, j'arrive à mettre un Hold One. J'arrive à mettre un Headhunter supplémentaire. Et je passe un Palais de Reaper, donc je mets 4 points. Lui avait déjà mis 4 points. Et surtout, il va mettre un Kill Mort et un Hold Mort. Du coup, il passe à 6, ce qui va l'emmener à 25 points. Puisqu'il est à 19, il passe à 25. Et moi, je passe de 18 à 22. Il prend 3 points d'avance. Et là, globalement, vu la configuration de la table, je vais pas avoir la ressource pour remonter. Je vais donc jouer avec Nouf Nouf le tour 6 pour l'honneur. Et puis voir si on arrive à faire des trucs sympathiques sur table. Mais ça va pas être incroyable. Je pense que l'avantage est au 2000 Sons. On joue quand même ce tour 6 pour la gloire. Et on se retrouve pour le débrief de la game par la suite. Donc pour mon tour 6, mon dernier tour, l'enjeu va être de tuer ce personnage, Voldus. Donc je vais avancer mes Terminators ici. Je vais rapprocher les rubriques et mes sorciers pour balancer des BM et le tuer. Je me fie, donc globalement la question c'est que si tu tues Voldus, tu vas prendre ton point de Reaper supplémentaire, tu vas mettre ton Kill One. Là tu tiens tes objectifs, donc tu mettras forcément le Hold More, le Hold One et le point bonus. Et je détruis ta gate. Donc là, voilà, tu détruis ma gate. Donc la question, c'est est-ce que tu vas réussir à tuer Voldus sur ce tour? Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de son tour, savoir ce que ça a donné. C'est parti pour le dernier tour de jeu de Nouf Nouf. Donc, à l'issue de ce tour 6, ce qui s'est passé, grosse phase psychique, enfin grosse en partie, pas mal. Puisqu'il y a eu un méga smite qui a enlevé 5 PV à Voldus. Oui.
suivi d'un péril du petit sorcier qui est mort et qui a balancé propre. Des bimes. C'était propre. Partout autour. Les Terminators n'ont pas réussi à faire revivre d'autres Terminators. Par contre, ils ont pu faire deux mouvements grâce à Harryman. Et ils ont balancé tous leurs tirs pour tuer Voldus. Ouais, ils ont fini le dernier PV de Voldus. C'est ça. Donc c'est un tour à 4 points. C'est un tour où tu mets Kill One, Hold One, point bonus et palier de Reaper. T'es à 4 points. Tu vas sans doute mettre aussi le Hold More et le Kill More, je pense. Sauf si j'arrive à tuer Harry au Smite, dans quel cas tu mettras que 5 points. Mm-hmm. En tout cas, tu mets 4 points supplémentaires, t'es à 25, tu passes à 29. On va immédiatement passer sur mon tour. Moi, mon tour, il va être très simple. Je vais tenir l'objectif et mon but, ça va juste être de balancer des Smites, me mettre en ligne de vue de Harryman. En fait, je vais déplacer mes 3 personnages pour qu'ils aient Harryman en ligne de vue uniquement, de la sorte, entre guillemets, pour pas que je vois eux. Et je vais essayer de saigner Harryman au psy. L'idée, c'est de mettre mon dernier point de... Ben non, puisque tu me l'as donné, le dernier point de Headhunter. Il l'a donné grâce à son péril. Donc ça, ça fait plaisir. Ça va être de mettre au moins un kill one et de pas lui filer le kill mort, donc pour réduire le score. On se retrouve à la fin de mon tour 6 et dans la foulée, on vous fait le débrief de la game. Allez, pour l'honneur, on vous filme cette dernière phase de psy, puisqu'on est quand même sur un duel Thousand Sun GK, ça a le mérite de finir sur un duel psy, donc ça, ça fait plaisir. Sachant que Magnus est mort, mon Dreadknight Nemesis est mort, Voldus est mort, normalement, mathématiquement, si on veut rester fluff, Harryman y crève aussi. Donc j'ai 3 smites, je suis sur ma taille, je vais commencer par envoyer avec l'éclat séraphique, donc c'est celui qui casse à plus 1. Premier smite ici. Smite à D6, donc je caste à plus 2, donc c'est un smite à 13. Donc je peux pas le dispel. Tu peux pas le dispel. Attention, combien de PV? Il perd 2 PV. Attends, il me reste 1 point de commandement. Il me reste encore 1 point de commandement. Ouais. Donc je vais le relancer. Allez, je vous l'avais dit, terminé, on n'en parle plus. Et globalement, j'ai plus rien à faire sur la fin de cette partie. Ce qui fait qu'en gros, toi, tu étais à 29, tu vas rajouter 1 point puisque tu vas avoir le hold mort. Donc ça va te faire passer à 30 points. Moi, j'étais à 22, je vais mettre un kill one, un hold one. Et puis c'est bien tout. Donc en gros, à la fin de ce tour, je vais monter à 24 points. Et toi, tu vas être à 30. Donc victoire des Thousand Sun, 30 à 24. On se retrouve immédiatement pour le débrief de la partie. On se retrouve à la fin de la bataille. Victoire pour les Thousand Sons, 30 à 24. Donc une victoire qui belle débarcation quand même. Hein. Ces dernières parties sur Creative Wargame, on avait vu des parties qui se jouaient à 1 ou 2 points à la fin. Là, pour le coup, tu as vraiment pris l'ascendance sur le tour 5 et le tour 6. En effet, je pense que c'est à partir du tour 4 où j'ai vraiment avancé Magnus avec mes sorciers pour attaquer ta plus grosse menace qui était, selon moi, tes Terminators. À partir de là, j'étais un peu plus serein sur le milieu de table et sur ton objectif principal. Donc je pense que c'est ça qui a vraiment fait le tournant de la game. Ouais, pour moi. T'as aussi bien contrôlé la map, vraiment, puisque t'as réussi à garder le contrôle de tes deux objectifs, marquer tes points Dungeon Zir sans prendre de risque, ça je trouve que c'est super important. Et puis, les belles unités aussi, les Terminator Thousand Sun, cette unité-là m'a vraiment plu. La capacité que t'as aussi de rip-up des mecs à tous les tours, c'est plutôt violent, parce que t'arrives tour 3 et tour 4 tu ramènes un mec, tour 5 tu ramènes un mec, tour 6 tu ramènes un mec, donc c'est vraiment plutôt efficace. Et puis on a eu des beaux duels. Il y a quand même eu des beaux duels. Il y a Magnus qui a tabassé la Dreadknight et qui derrière s'est pris des gros coups de marteau de Voldus. Et Voldus qui derrière se fera sécher par les Mortal Wounds de notre ami Harryman. Et la rafale des Terminators. Et la rafale qui finit le dernier PV. Et du coup, après, il y a la vengeance de tes personnages sur Harryman. Sur Harryman. Tout le monde est mort globalement. Harry est mort, Magnus est mort, Voldus est mort, la Dreadknight Nemesis est mort. Voilà, il n'y avait plus grand monde à la fin de la table, mais t'avais encore pas mal d'unités alors que moi il ne restait plus que 3 personnages. C'était une game super sympa, vraiment j'ai apprécié encore une fois cet équilibre de jeu qui fait que ça se balance toute la partie, il y a un vrai équilibre sur la durée, ça c'est vraiment très très plaisant et c'est le propre des scénarios ETC à mon sens. Donc ça c'est une partie qui était vraiment très cool, je te remercie d'être venu. Merci à toi. C'était un plaisir, j'espère qu'on te reverra avec peut-être une nouvelle armée ou peut-être sur un autre jeu, peut-être, qui sait, on sait pas, on verra. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu, vous pensez à poser le pouce bleu des familles les gars, à vous abonner si c'est pas fait, on active la petite cloche, ça fait plaisir, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.